Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 9e session du bootcamp sur l'apprentissage de la programmation avec Delphi et le Pascal. Je vais vous parler aujourd'hui de plein de choses, enfin quelques petits retours en arrière et puis on fera du codage et encore du codage. Alors allons-y. Je suis prestataire informatique, formateur Delphi, vous avez les sites pour me joindre si besoin et puis pour voir un petit peu mes activités. Ici, donc le blog et les contacts sur les réseaux sociaux. Donc, je passe rapidement comme les jours précédents. Ceux qui veulent avoir le détail de ces pages-là, vous avez les PDF qui sont disponibles sur le site apprendre-delphi.fr et également en accès direct depuis la chaîne YouTube de Bernstein, puisque les liens ont été rajoutés aujourd'hui suite à une remarque qui a été faite par contact dans les jours précédents. Du coup, sur vasseur.fr/DelphiBootcamp, vous retrouverez donc la chaîne YouTube de Bernstein avec les vidéos des sessions précédentes et sur chaque les liens vers les PDF et puis les sources et autres fichiers additionnels éventuels. Comme ça, ce sera plus simple pour les récupérer. Et sinon, vous les avez aussi sur apprendre-delphi.fr. Alors, j'ai un peu changé certaines pages des liens, j'ai les retriés. Donc, je vous laisserai regarder le détail. Pareil, hein, là, vous avez un certain nombre d'informations et de liens qui peuvent vous être utiles pour suivre ce bootcamp et puis pour après, en fait, pour votre vie de développeur Delphi professionnel ou à titre individuel ponctuellement. Avec certains sites, là j'ai rajouté par exemple Awesome Pascal qui est une liste d'outils, librairies et autres qui sont disponibles pour le Pascal et pour Delphi. Donc, vous pouvez y retrouver plein d'informations sur des composants que vous n'auriez pas ou suivant ce que vous voulez faire. Vous pouvez trouver des ressources par rapport à ce lien-là. Ce site étant sur GitHub et peut être alimenté par la communauté d'utilisateurs, évidemment, comme tous les projets open source qui sont disponibles dessus. Les webinaires mensuels, donc ça j'en ai déjà parlé, donc c'est bon. On les organise avec Bernstein. Il n'y en aura pas pour mars, du coup, parce qu'on a passé le mois de mars. Et pour avril, il y a des chances qu'il n'y en ait pas non plus, mais on en reparlera. Ça dépend du bootcamp, en fait. Je pense que les sessions déjà quotidiennes sont déjà suffisantes. On verra pour la suite. Ensuite, vous avez les ressources donc, sur mon blog pour les liens vers la doc et puis deux, trois choses que je mets à jour régulièrement. Les magazines en ligne ou en réel, enfin en papier, pour suivre l'actualité du Pascal, des liens liés à Embarcadero. Et à Delphi. Donc là, je vous ai remis le lien vers la page de description du produit, enfin, du logiciel Delphi dans ses mises à jour, et puis les liens directs pour les inscriptions et les téléchargements si vous avez envie de prendre une version ou l'autre. Pensez à vraiment à vérifier que vous êtes conforme à la licence hein, avant de choisir une version. Si vous voulez prendre une version gratuite, ponctuellement à titre professionnel pour tester, c'est la Trial. À titre individuel pour une utilisation personnelle, ça reste la Community Edition ou pour diffusion de logiciels gratuitement, évidemment. Ensuite, les liens sur Bernstein, donc leur site, le compte Twitter et Facebook, et la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez donc les sessions de ce bootcamp et prochainement tous les webinaires qu'on avait fait jusque-là. J'ai remis aussi les raccourcis clavier et je rajouterai deux, trois liens au fur et à mesure par rapport aux choses que je vais diffuser concernant le codage dans les jours qui viennent. Et donc ensuite, des banques d'images, puisque la question des images s'est posée hier, je vais en reparler dans quelques minutes, avec Iconace, donc vous retrouvez aussi sur Getit en composant, enfin en programme exécutable, ne nécessitant pas la connexion Internet, ou la version site web directement, Material Design Icons qui vous propose d'autres choses, GIFX, et puis le site Adobe Stock, anciennement, oula. Enseignement Photolia, qui fait partie des nombreux sites de banques d'images payantes, parce qu'il faut quand même payer les photographes et les dessinateurs de temps en temps, qui permet d'avoir des ressources graphiques pour les projets si vous n'avez pas d'infographiste à disposition. Et enfin, je vous listerai aussi quelques librairies que je vous montrerai au fur et à mesure, dont celle-ci dont on va parler aujourd'hui pour faire des icônes depuis des fonts de texte. Je vous ai remis deux, trois liens sur les logiciels à utiliser, enfin, qui peuvent vous être utiles dans votre vie de développement, de développeur. Donc, Notepad++ que j'utilise depuis un certain nombre d'années, GBEPAD qui est un équivalent développé en Delphi.
Et Sublime Text qui fonctionne aussi sur Mac et qui est un éditeur de texte avec coloration syntaxique qui permet d'éditer plein de choses, enfin comme les deux autres en fait. Hein. En fonction du langage, ils s'adaptent et ils ont un certain nombre d'outils qui permettent de travailler plus facilement quand on fait du texte en dur. Voilà. Je vous ai remis les liens sur les différents logiciels dont on a parlé quand j'ai parlé de MCD la semaine dernière, enfin, de modèles conceptuels de données et puis de conception de base de données. Donc TMS Data Modeler que j'utilise qui était payant, Aquadata Studio qui est payant et fourni avec les versions. Les licences architectes de Delphi, C++ Builder ou Red Studio, et ER Studio qui était fourni jusqu'à l'an dernier, qui est édité par IDERA. Puis ID SQL qu'on m'avait suggéré, qui est effectivement assez complet, peut-être trop pour une initiation, mais en tout cas il est gratuit et open source, et aussi développé en Delphi. Donc vous pouvez aller regarder ces sources pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a le lien dessus sur leur site, en plus du lien vers le programme exécutable, évidemment. Alors, d'une manière générale, enfin, c'est sur les logiciels dont vous avez les sources, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça permet aussi de voir un petit peu comment font les développeurs habitués à l'environnement de développement, quel que soit le langage. Hein, les logiciels open source sont une ressource importante pour l'auto-apprentissage, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Enfin, concernant les bases de données, donc SQLite avec son site officiel, DB Browser for SQLite qui est également un logiciel qui fonctionne sur Windows, Mac et Linux normalement, qui permet de travailler sur les bases SQLite. Donc ça, je vous montrerai un petit peu comment il fonctionne, puisque je m'en sers aussi régulièrement. Un article sur les bases de données relationnelles et un cours sur le SQL au cas où vous voudriez aller plus loin là-dessus. Voilà. Pour les liens, évidemment, si vous avez des questions, posez-les-moi dans le formulaire de contact que vous avez à droite de l'écran. Et si vous n'êtes pas en plein écran, passez en plein écran pour voir pleinement tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la partie codage et sur les écrans. Oui, et encore une chose, si vous avez à nouveau des soucis de son et de vidéo, ben, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Il est possible que la connexion entre chez vous et GoToWebinar soit un peu saturée suivant. Comment est votre fournisseur d'accès, le réseau Internet et d'une manière générale, tout ça. Alors, sur les sessions précédentes, je ne vais pas y revenir, hein, vous étiez potentiellement là, sinon vous avez les rediffusions. Globalement, on a parlé de l'IDE, de la VCL, de Delphi, de tous ces composants visuels, non visuels, et là on est sur les bases de données depuis quelques jours. Donc on va continuer là-dessus. Vous aviez un exercice à faire vendredi concernant les contacts et enfin un gestionnaire de enfin, oui, un gestionnaire de contacts et puis un gestionnaire de liste de courses. Vous deviez faire les écrans vendredi, en tout cas depuis vendredi. Et hier, je vous ai demandé de faire éventuellement la partie codage enfin, le lien avec les bases de données. Donc, on a vu les composants de bases de données hier, vous devriez pouvoir avoir avancé là-dessus. On y reviendra et je ferai un correctif demain. Donc, on refera les deux exercices ensemble dans la session de demain, normalement, si tout se passe bien. Ou sinon, de lundi. À part ça, donc là on gère les donc on a aussi vu les TFD memtable qui permettent de gérer les données en mémoire. On va en refaire des exemples aujourd'hui. Et donc les liens entre les composants TDB de la VCL et les bases de données. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens d'évoquer et ce qu'on a vu sur les jours précédents? Question de Jean-Jacques. Sur les bases de données TFDMemtable, peut-on exécuter des requêtes SQL à partir d'une autre application? Alors, la base TFDMemtable, enfin l'ensemble de données qui est stockée dans le TFDMemtable n'est accessible que de l'application dans laquelle elle est stockée. Il est stocké, tout simplement parce que c'est un composant en mémoire et du coup, bah, seuls les programmes qui l'ont, pas seuls les fenêtres. Du projet ont accès à ces informations-là d'une manière générale, à condition évidemment d'utiliser l'unité dans laquelle se trouve le TFDMemtable en question. Si vous enregistrez les données du TFDMemtable sur disque dur, forcément vous pouvez y accéder de n'importe où en fonction du format de stockage et si vous avez de quoi l'interpréter dans les autres programmes. Mais il ne faut pas le voir comme un serveur de base de données. C'est un composant de stockage de données qui est accessible dans le programme dans lequel il est ouvert. Question de Riyad. Donc, avec une connexion en locking mode normal, comment accéder à un enregistrement tout en évitant un accès simultané d'autres applis au même enregistrement? Donc, comme je viens de le dire, le TFDMemtable n'étant pas accessible depuis les autres programmes, c'est un composant de mémoire, on n'a pas ce problème-là.
Par contre, le locking mode, ce n'était pas sur le FDM table, c'était sur SQLite, excusez-moi. Pour SQLite, effectivement, on avait un mode exclusif ou normal. Exclusif, ça empêchait d'accéder avec deux programmes à la fois. C'est pour ça que dans l'exemple que j'avais fait hier, l'IDE ouvrant la base SQLite, je n'avais pas pu y accéder depuis le programme. Donc j'ai changé le locking mode. Entre deux programmes identiques, enfin deux programmes. Si deux programmes accèdent à la même base de données, il n'y a rien qui nous permet de verrouiller un enregistrement en particulier, à part les commandes SQL qui LOCK, qui permet de verrouiller un enregistrement ou une table. Je ne sais plus si elles sont valides dans SQLite. Donc là, faut vérifier dans la doc ou essayer. Mais en tant que programme eux-mêmes, on n'a pas de verrouillage d'un enregistrement de cette façon-là. SQLite gère du multi-accès sans problème. Alors, je ne le recommande pas quand on a plein d'utilisateurs et qu'on a une base SQLite sur un serveur, par exemple, parce qu'on peut toujours accéder au fichier de la base à distance. Donc, s'il y a plusieurs utilisateurs qui le font, pourquoi pas, mais c'est quand même pas fait pour ça, à la base. Donc, vous pouvez l'utiliser pour ça, mais c'est pas une base de données qui est destinée à faire du client-serveur directement depuis des programmes, puisqu'il n'y a pas de serveur avec SQLite. Une clé primaire qui s'incrémente automatiquement limite la durée de vie de la table. Nombre d'ajouts égale le time max de la clé. Oui, je confirme. Si vous choisissez un compteur auto-incrémenté, vous êtes limité à la taille du type de données sur lequel vous avez le compteur. En général, les champs integers qui sont utilisés par défaut sur les clés primaires, sur le compteur, ça va jusqu'à 2 milliards. Donc, on est susceptible d'avoir de la place. Après, ça dépend des données que vous stockez. Donc la clé primaire, là, je les utilise avec l'auto-incrément, parce que c'est plus simple et que je sais que mes données ne dépasseront jamais la taille maximale. Mais si on gère des logs ou des choses comme ça, il ne faut surtout pas utiliser un auto-incrément. Il faut utiliser une date ou un compteur qu'on gère nous-mêmes, ou un ensemble de champs qui permettent de définir un enregistrement particulier dans la table, donc de pouvoir le repérer lui par rapport aux autres, et d'être suffisamment grand pour être sûr de stocker toutes les données qu'on pourrait mettre dans ces informations-là. À quoi sert l'explorateur de données? Je vais en parler. Alors, dans un mtable, si la connexion à la base de données est inactive, des opérations sur le mtable sont-elles possibles? Le TFD mtable n'est pas rattaché à une base de données. Donc, une fois qu'on a commencé à mettre des données dedans, il est open, enfin il est actif. Si on le ferme, les données disparaissent. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, si on le ferme, les données disparaissent, sauf si on les a enregistrées avec les options de persistance qui sont disponibles dans sa propriété ressources options. Une fois l'application développée et en ordre de fonctionnement, que faut-il déployer comment? Juste l'exécutable. Vous avez un fichier exe qui est généré. Alors, idéalement, en choisissant la configuration release et pas debug, j'en avais un peu parlé sur la première semaine. J'en parlerai quand on fera du débugage dans quelques jours. Donc faites plutôt une compilation en release et vous diffusez le point exe aux personnes qui doivent pouvoir utiliser votre programme et éventuellement d'autres choses si vous avez utilisé des fichiers qui sont à l'extérieur du point exe. Si vous avez des images que vous chargez par programme, à ce moment-là, il faut diffuser aussi les images et vous débrouiller pour les installer correctement. Voilà, donc ça a l'air d'être tout pour les questions pour l'instant. On va attaquer en parlant du BDE, puisque exceptionnellement, je vais quand même vous en reparler rapidement. Suite aux questions qui m'ont été posées ces derniers jours. Alors, pour les personnes n'ayant pas encore de projet avec de la base de données, je le répète une dernière fois, utiliser FireDAC, le BDE ne doit plus être utilisé sur de nouveaux projets. Pour les développeurs ayant des projets ayant déjà le BDE, il faut s'en débarrasser, mais pour ça, il faut travailler avec une version récente de Delphi ou C++ Builder, puisque pour remplacer le BDE par FireDAC, il faut avoir FireDAC et le BDE dans Delphi, ou dans C++ Builder, suivant le langage qui a été utilisé. Mais là, on va rester concentré évidemment sur Delphi. Le BDE n'est plus installé par défaut. Donc, il vous faut une version récente avec le BDE et FireDAC, mais le BDE n'étant pas installé par défaut. Donc, c'est un peu comme l'œuf et la poule dont on ne sait pas qui est là ou pas là, puisqu'on boucle en fait entre les deux. Du coup, il y a une solution chez Embarcadero, c'est le téléchargement du paquet du BDE qui permet d'installer des composants correspondants. Donc là, je vous ai mis les liens sur le PDF, vous pouvez les récupérer en allant récupérer le fichier de la présentation. Ce sera le seul endroit où je vous les mettrai et je ne les répéterai pas dans les ressources pour les pages suivantes pour éviter d'inciter des gens à l'utiliser.
Donc, si vous voulez utiliser le BDE pour une raison de migration ou pour travailler sur des vieux projets parce que vous n'avez pas le choix, vous pouvez le télécharger, mais il n'y a aucune garantie de la part d'Embarcadero qu'il sera encore compatible avec la 10.4 ou les suivantes. Là, il est encore disponible pour la 10.3, il l'est pour d'autres versions antérieures, mais il est officiellement déprécatif, comme on dit. Donc, il est obsolète, il n'est plus maintenu. Il y a juste une recompilation des composants qui est faite à chaque version par Embarcadero et ils ne garantissent pas qu'ils le feront toujours. Donc, méfiance et ne l'utilisez pas sauf cas extrêmement, enfin, sauf cas particulier ou parce que vous n'avez pas le choix. Donc, une fois que vous avez les composants, vous avez deux possibilités en fait pour migrer. Soit vous avez les composants dans Delphi et vous faites du remplacement dans Delphi, soit vous faites un changement dans les fichiers sources. Comme je l'ai fait hier en récupérant la requête SQL, par exemple, d'un composant à l'autre, enfin, d'une fiche à l'autre, vous pouvez toujours ouvrir vos DFM et .pass avec un éditeur de texte, faire des remplacements des ttables par des tf des tables et puis voir ce qui se passe. Faites toujours une sauvegarde de vos projets avant, parce que le recherche et remplace dans les sources peut avoir des conséquences de non-ouverture des fiches dans Delphi ou de plantage global de l'application. Donc méfiez-vous. Et puis pareil, selon comment vous avez renommé vos variables, le recherche et remplace dans les sources risque de poser problème. Donc, faites des tests, mais soyez méfiants et attentifs. Vous avez aussi des informations sur la migration et sur le BDE d'une manière générale sur le doc wiki concernant sur le site d'Embarcadero, en fait, sur la doc. Donc, pareil, je vous ai mis le lien. Si vous cherchez BDE ou Borland Database Engine sur Internet, vous devriez tomber dessus sur quelques autres pages. Et je vous ai remis deux liens aussi, notamment un concernant le site de John Colibri, où il y a quelques articles sur Delphi d'une manière générale depuis des années. Alors, ils ne sont pas forcément à jour, mais il y en a notamment un sur les migrations avec le BDE. Et puis je vous ai remis un lien concernant mon blog, où j'ai la liste des moteurs de base disponibles, ou en tout cas ceux que je connais et que j'ai pu regarder et tester, avec quelques articles dessus que j'ai écrits au fur et à mesure de mes avancées, tests ou travaux sur des projets existants. Voilà, et donc il y en a un notamment sur le BDE avec quelques liens pour pouvoir utiliser Paradox sur Windows 10. Ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions concernant le BDE ou est-ce qu'on fait une croix dessus définitivement? Donc, comme je l'espérais, pas de questions supplémentaires, on va passer à la suite. Hop. Alors, la suite étant Getit. Donc, Getit, je vous l'ai dit lors de la première session et la deuxième, en parlant d'IDE et de ses capacités, c'est un magasin de composants et de librairies qui s'est fourni par Embarcadero. Il est accessible depuis la page d'accueil ici, donc obtenir des add-ons depuis Getit sur certaines versions de Delphi, et il est aussi accessible dans les outils avec gestionnaire de package Getit. Comme les serveurs de Embarcadero sont à nouveau accessibles depuis la France depuis hier, il y a eu un petit couac pendant 2 jours, mais les routages ont été réparés. On va pouvoir y aller pour faire installer ce qu'on a abordé, pour installer les séries de composants dont on a parlé lundi et que je n'avais pas pu installer. Donc, notamment Konopka Signature VCL, qui est un ensemble de composants pour la VCL qui est fourni gratuitement par Embarcadero, qui en avait racheté la licence à Konopka, un MVP et prestataire Delphi depuis très 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 longtemps, qui éditait des séries de composants intéressants pour les développeurs. Donc si vous n'avez pas envie d'installer la JVCL parce que ça peut paraître un peu compliqué de tout recompiler ou de suivre leur process d'install, ou si vous n'avez pas envie d'acheter des composants chez TNS ou d'autres fournisseurs, vous pouvez télécharger Konopka Signature VCL depuis Getit directement. Voilà, et donc il y a environ 200 composants visuels et non visuels pour la VCL. Donc je vous ai remis la procédure d'installation, on va la faire ensemble. Enfin, ensemble. Je vais vous montrer le process complet, comme ça vous aurez vu au moins une fois comment installer quelque chose depuis Getit. Donc j'ai lancé Getit depuis l'environnement, il a téléchargé la liste de tous les composants et je vais chercher, en l'occurrence, Konopka, puisque je connais le nom de la librairie, mais je ne sais jamais où elle est stockée dans les rubriques. Donc le moteur de recherche est assez pratique. On peut aussi chercher bonus pour avoir plusieurs librairies qui étaient offertes en cours de route. Alors je ne garantis pas que vous l'ayez sur la Community Edition, mais a priori,
Il y a des chances que ce soit disponible pour toutes les licences. Là, après, ça dépend des installs et des versions. Ici. Donc, je clique sur installer. Ça me lance un assistant. Ça m'affiche la licence de la librairie. Alors, évidemment, comme tout le monde, je l'ai lu et je vais l'accepter. Et derrière, ben, il me lance un programme d'installation. Donc, comme n'importe quel setup sur Windows. Et en l'occurrence, ben, comme c'est un ajout de composants dans Delphi, il va redémarrer l'environnement pour le recharger au redémarrage. Donc là, on va laisser tourner. Alors évidemment, les autres paquets de composants sont disponibles de la même façon. L'installateur peut avoir un écart, mais effectivement, le fonctionnement est globalement le même. Yves me confirme que sur la Community Edition, ça passe. Donc vous l'avez bien sur toutes les éditions de Delphi, vous pouvez l'installer. Donc là, il a mis une petite log concernant ce qu'il a mis. Alors, en l'occurrence, il a installé deux paquets de composants qui sont RES Component VCL Design et RES Component VCL DB Design 260.bpl. Alors, en général, les composants ont un numéro de version derrière, ça correspond au numéro de version de Delphi. Donc on en est à la 26e version de Delphi en 25 ans. Ou en tout cas la 26e version majeure de Delphi, puisque avec les mises à jour intermédiaires qui apparaissent depuis quelques années, on en a 3 ou 4 par an. Donc là, en tout cas, c'est la 10.3.x et la 26e version. Donc là, il a fini d'installer. Je vais relancer Delphi. Donc, il se ferme d'un côté, il se rouvre de l'autre. Alors là, vous allez voir que ça prend un peu plus de temps que chez vous parce que j'ai pas mal de choses déjà installées. Et mon écran est plus assez grand pour toutes les afficher au démarrage. Pendant qu'on le laisse tourner, juste une aparté de plus. Je vous disais que pour le BDE, il vous faut les composants du BDE et FireDAC dans la même version. Sachez juste que vous avez la possibilité, quand vous avez une licence payante de Delphi, de récupérer une ancienne version avec une licence d'une ancienne. Donc s'il y a des composants que vous ne retrouvez pas ou un paquet de composants dont vous avez besoin, en ayant les mises à jour de Delphi, vous avez la possibilité de récupérer l'ancienne aussi. Et donc d'installer les deux versions, celle sur laquelle vous vouliez travailler, puis la dernière pour migrer vos projets au fur et à mesure et faire les nouveaux. Donc ça, si vous n'avez pas les liens qui sont fournis dès l'achat, n'hésitez pas à contacter votre distributeur. Vous avez 6 mois après l'install, après l'achat d'une licence pour récupérer des vieilles versions. Enfin, sauf si ça a changé côté Embarcadéro, mais normalement, ça devait être toujours possible. Donc là, Delphi en redémarré, si je vais dans Outils, installer des paquets, pardon, dans Composants. Installer des paquets. Donc c'est là qu'on gère les composants qui sont installés, hein, ça je vous l'avais remontré. Je devrais avoir un truc qui s'appelle Konopka Signature quelque part. Donc normalement trié par ordre alphabétique. GHI. OK. K. Ici. Donc j'ai bien deux paquets de composants Konopka. Et donc si je vais regarder dessus, j'ai un bouton composant en bas qui m'affiche la liste des composants associés. Donc apparemment, ils commencent tous par TRZ quelque chose. Donc on va pouvoir en regarder deux, trois. Juste comme ça. Et donc, il y en a aussi des composants liés aux bases de données. Donc, comme pour les TDB quelque chose, vous avez des TRZDB qui vous permettront d'avoir des comportements qui ne sont pas forcément disponibles dans Delphi avec ces composants-là. Donc là, je peux sortir en annulant puisqu'on n'a rien fait. J'ouvre un nouveau projet. Alors, je ne dis pas que c'est obligatoire de l'installer. Hein. C'est simplement si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans les composants standards de Delphi, qui sont maintenus et disponibles dans chaque version. Enfin, dans les versions qui évoluent, vous pouvez en trouver ailleurs. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres de suites de composants qui sont disponibles. Limitez le nombre de choses que vous installez, parce que ça alourdit quand même pas mal l'environnement quand il se démarre et puis à l'utilisation, parce que chaque composant ajouté se greffe à la palette. Donc à chaque fois qu'on ouvre une fiche, Delphi charge la liste complète des composants et donc toutes les unités qui les utilisent.
Et effectivement, au bout d'un certain temps, ça commence à faire beaucoup si on a plein de trucs qu'on n'utilise pas. Donc, n'hésitez pas à faire du ménage dans les paquets que vous n'utilisez pas et à n'installer que les choses qui sont vraiment nécessaires, puisque de toute façon, d'une version à l'autre, il faudra les réinstaller sur la version suivante. Donc, limitez les choses que vous utilisez au nécessaire. Par défaut, ça s'installe normalement en bas de la liste. Donc, voilà, je dois avoir plusieurs rubriques en bas. Donc, Raise Panel, Edit, List, Bouton, Display, Shell et Widget. Donc, si je vais sur Panel, alors je ne connais pas, hein, je vous le dis tout de suite. C'est la première fois que je l'installe. Donc, là, on va par exemple prendre un panel. Ici, donc il a l'air de ressembler à un panel classique de Delphi. Et puis, par contre, il y a une rubrique version. Et si je fais un menu contextuel, j'ai un Edit Panel, et puis un alignement, et puis deux, trois autres assistants qui ne sont pas disponibles en standard dans Delphi, donc qui sont liés à ce composant-là. Si je fais sur Edit Panel, il va me permettre de modifier certaines rubriques. Donc je suppose qu'au lieu d'utiliser les propriétés, il a prévu un certain nombre d'assistants qui permettent de faire la modification des rubriques visuellement. Et évidemment, si je change ici, ça fait en direct la modif comme d'habitude. Mais on a la possibilité d'utiliser les deux parties. Voilà, donc là vous en avez un certain nombre. Ici sur l'édit, par exemple, un masque edit, bouton edit. Voilà. Donc le bouton edit, c'est un champ de saisie avec un bouton qui va déclencher un événement quand on clique dessus, donc éventuellement une fenêtre qui va permettre de saisir quelque chose en automatique ou d'afficher une liste. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire derrière. Et normalement, alors si je me souviens bien, il y avait quand même une doc qui était installée avec. Je vais juste vérifier HJK. Non. Il n'y a pas de doc à ajouter avec en tant que Konopka quelque chose. Et signature. Non, bah non, il n'y a rien dans le menu Windows, donc la doc n'est pas accessible depuis là. Donc si vous avez besoin d'infos, bah, il faut faire F1 dessus. Avec un peu de chance, ça passe. Oui, ça passe. Donc ils ont bien référencé le fichier d'assistant, enfin d'aide. Donc vous avez la documentation comme les autres composants dedans. Alors par contre, ils sont un peu anciens, puisqu'ils ont été rachetés en 2015. Ils sont maintenus par rapport aux versions de Delphi, donc ils continuent à être mis à jour, ou en tout cas recompilés pour chaque version. Même chose, il n'y a pas d'évolution particulière dessus, puisque c'est un pack fourni comme ça en plus. En tout cas, pas d'évolution officiellement annoncée sur ces composants-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou à l'installation d'autres packs? Non. Oui, alors aussi, pareil, il y a effectivement des exemples qui sont installés avec des composants. Hein. Les exemples de Delphi, puis les exemples de chaque librairie de composants. Puisque chaque fois, enfin les éditeurs de composants en général fournissent les composants, le système d'installation, et puis aussi pas mal de sources pour pouvoir montrer à quoi ils ressemblent et ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à vous y reporter pour le voir. Alors, comment limiter le nombre de composants adaptés au projet et comment lier les VPL à l'exécutable pour l'installer sur un PC qui n'a aucune VPL Delphi? Alors, Delphi, contrairement à Visual Basic historiquement, n'utilise pas de runtime. On peut, mais par défaut, les unités qu'on inclut dans notre programme sont compilées avec l'exécutable, donc n'ont besoin d'aucune dépendance. On peut aussi les compiler avec des dépendances si on le désire, donc ça se gère au niveau des options de projet. Alors, il faut être sur un projet, mais globalement, en fait, quand vous êtes sur un projet, vous pouvez sélectionner les paquets que vous voulez intégrer dedans ou dont vous voulez dépendre de façon extérieure. Delphi fait le nécessaire derrière. Par contre, si vous utilisez des paquets externes, il faudra les transférer aussi avec votre exécutable. Donc, en configuration par défaut, un exécutable contient tout ce qui est nécessaire et rien de plus. Donc, ne vous en préoccupez pas. Y a-t-il des outils de reporting? Oui, il y en a. Là, actuellement, c'est plutôt FastReport qui est proposé en option. Donc, installable depuis Gadget ou depuis le site de FastReport. Il y en a eu plein, ils n'ont pas tous été maintenus, et puis il y en a certains comme Crystal Report qui est encore très utilisé sur les vieilles versions de Delphi, qui n'a pas d'équivalent maintenant, enfin, qui n'est plus maintenu puisque suite à son achat par SAP.
SAP a fait une croix dessus. Et du coup, on est coincé. Donc, méfiez-vous sur les outils de reporting. Prenez plutôt quelque chose avec une société externe qui fonctionne bien. Mais là, en l'occurrence, Fast Report a l'air d'être bien, bien costaud derrière. Donc, vous pouvez l'utiliser sans problème. Vous en avez aussi plein en open source qui traînent sur GitHub, sur Storage et d'autres sites, ou quelques-uns qui sont disponibles depuis Gettit. Alors, pareil, qui dit open source dit que vous avez les sources, donc vous pouvez les maintenir vous-même si son concepteur s'arrête. Mais ça oblige à avoir un certain temps quand on a un changement de version, s'il y a des choses dedans qui sont un peu trop spécifiques. Y a-t-il des packs 32 et 64 bits? Alors normalement, sur les composants qui sont installés, ils sont censés être compilables sur les deux. Sinon, c'est indiqué par défi lorsque vous passez la souris sur l'inspecteur sur la palette. Après, il n'y a pas de distinction 32 ou 64 quand on fait des composants juste pour la VCL. En général, ce qu'on fait, se compile sur les deux sans problème. Pas de souci là-dessus. Alors, comment fait-on pour désinstaller un pack? En fait, ça dépend comment il a été installé. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Donc, ça dépend comment il a été installé. Là, en l'occurrence, c'est un exe qui a été lancé. Donc, vous avez normalement dans le panneau de configuration de Windows, dans les paramètres programme installé, une option pour le désinstaller. Ou alors, vous le désactivez directement depuis les composants ici. Pour installer des paquets, vous avez une option pour désinstaller un paquet de composants. Donc, vous pouvez le décocher si vous ne voulez plus l'utiliser, mais que vous êtes susceptible de vous en servir dans un projet. Donc, si vous voulez plus les voir dans la palette, vous décochez les rubriques et vous validez. Si vous voulez le désinstaller complètement, alors évidemment, ne le faites pas sur les composants, enfin les paquets en Parcadéro, hein. Vous pouvez cliquer dessus et faire retirer. Et là, vous proposera la suppression du paquet de composants et donc il éliminera les composants, mais il enlèvera aussi le lien vers le paquet sur le fichier physique qui les contient. Donc, vous ne pourrez plus les ouvrir dans Delphi si vous avez un projet avec. Par contre, il faudra juste le réinstaller. Donc, c'est bon pour ça. Sujet suivant, les icônes. Alors, je vous ai montré un pack d'icônes hier quand je faisais des tests de boutons qui utilisaient des points BMP comme extension d'image. Pour moi, je les ai trouvés dans le dossier Bourlanschild sur l'arborescence de Windows. Donc, dans le disque dur, le dossier dans lequel j'installe tout, donc Programme Files par défaut, enfin, Programme x86 ou Programme Files sur les anciennes versions de Windows, on avait un sous-dossier Common File et Bourlanschild, jusqu'à ce que Borland ne fournisse plus les outils ou que ce soit modifié. Et là, on avait Images. Donc, ce n'est plus le dossier qui est utilisé par RADstudio. Jusqu'à la version 10.2, on les avait en fait dans l'arborescence de RADstudio directement. Donc, si vous n'avez pas Bourlanschild, vous pourriez éventuellement avoir un truc dans Embarcadero. Donc, toujours Programme Files, Embarcadero, Studio, la version de Delphi, donc la 19 qui est la dernière qui l'embarque, et Images. Donc, là, vous retrouvez les boutons et autres infos. Enfin, les autres fichiers qui pouvaient être utilisés sur les icônes et autres sources, sauf que c'est un peu ancien et donc Embarcadero a décidé de ne plus les diffuser. Donc à partir de la 20, il n'y a plus le dossier images et il n'y a plus le dossier Bourlanschild non plus. Donc ces fichiers d'images que je vous ai montrés hier avec le composant TSP de bouton, vous n'y avez plus accès. La seule solution, c'est d'installer une vieille version de Delphi ou de RADstudio pour pouvoir le récupérer. Et la licence ne nous autorise pas à diffuser ces fichiers-là indépendamment d'un programme exécutable compilé. Donc, ce n'est pas la peine de me les demander, je ne pourrais pas ouvrir un zip. Par contre, vous avez la possibilité de prendre autre chose comme image, et donc je vais vous en citer deux, trois. Alors, si je vais là-dessus. Donc là, sur les liens que je vous ai mis en début de présentation et sur les PDF maintenant, je vous ai mis plusieurs liens, notamment vers Icon 8, dont j'avais déjà parlé. Donc lui, il vous permet de récupérer des JPEG et des PNG. Et vous avez un autre site, glyfx, glyfx.com, qui devrait s'afficher à un moment ou un autre. Après, il y en a d'autres, hein. C'est juste les deux que j'avais en tête et que j'ai déjà utilisés. Après, il y a Pixeden et puis d'autres qui fournissent des packs d'icônes gratuits ou payants.
C'est marrant, j'ai plus connexion, j'espère que ça marche toujours. Voilà, et donc, oui, autant qu'on y est, puisque je l'ai cité, autant repasser dessus. Donc lui, je m'en étais servi pour les icônes qui m'ont servi d'illustration pour les boutons et les listes d'images sur les sessions depuis lundi. Alors, icon8, enfin, icons8, icons8.com, je vais vous le remettre en lien. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion Internet, mais je suis censé avoir une connexion fibrée avec du 100 mégabits. Donc je suppose que tout est pris pour la diffusion du live et j'espère que l'enregistrement sera correct. Donc je remets icon8 ici, donc dans la barre de commentaires à droite hein, de votre écran. GlyFX, donc il s'est affiché, je peux le copier et le coller aussi. Et Pixeden, parce que je l'ai cité plusieurs fois. Voilà. Donc le seul qu'on va regarder rapidement, c'est l'IFX. En fait, vous avez une partie free icon. Alors, il y en a des payantes, n'hésitez pas à le racheter, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien que les infographistes vivent. Donc à un moment ou à un autre, il faut quand même payer pour avoir les images qu'on utilise, surtout si c'est des projets commerciaux. Et là, en l'occurrence, pour les projets perso, vous pouvez utiliser des images gratuites. Donc là, il y a une rubrique Free Icon, j'ai cliqué dessus. Ça apparaît. Par exemple, dans les XP Common Toolbar Icon Set, vous avez ces images-là qui sont fournies en BMP, en PNG, en .ico et en GIF. Donc, il est encore possible de récupérer des fichiers BMP si vous n'avez pas de logiciel de dessin, si vous n'avez pas envie de convertir des images PNG ou JPEG. Donc vous en trouverez sur Internet. Après, comme d'hab, hein, vérifiez que la licence vous autorise à les utiliser dans ce que vous êtes en train de faire. Et vérifiez aussi que bah, ce n'est pas des images piratées. Donc évitez Google Images, hein, clairement. Et les autres sites qui vous les proposent sans trop vous dire d'où ça vient et qui peut s'en servir. Voilà, donc il y a ça. Et donc sur Pixoden, pareil, vous avez dans Icon un certain nombre de choses, dont des fonds de caractère et des fichiers eux-mêmes. Voilà pour cela. Du coup, une fois que vous avez les images, ben ça vous retrouverez avec des fichiers PNG, BMP et autres sur vos disques durs, et puis vous les utilisez dans les boutons ou autres composants dans lesquels vous voulez les utiliser. Ceci étant dit, je vais laisser ça ouvert. Après, j'ai aussi, à l'occasion de quelques échanges avec mes camarades MVP, découvert le site, enfin, la librairie Icon Fonts Image List, qui permet de récupérer des boutons, enfin de générer des images à partir de caractères issus de fonds de caractères. Alors les fonds de caractères, c'est les polices, hein, comme celles que vous utilisez dans les traitements de texte. Il se trouve qu'il y en a quelques-unes qui contiennent des images, et donc il est possible de réutiliser ces images-là sous forme de vraies images pour les composants Delphi. Là, ce sont des images de format TTF, des images TrueType, et Icon Fonts Image List, c'est un projet open source qui fournit des composants TImageList, enfin, compatibles avec le TImageList, donc utilisables pour tous les composants qui utilisent le TImageList. Et je vais vous montrer comment on l'installe, puisque c'est l'occasion de récupérer un truc sur GitHub et d'aller jusqu'au bout du truc. Alors, petit rappel qui est important, encore une fois, soyez méfiants quand vous téléchargez des fichiers sur Internet. C'est regarder où vous êtes, vérifier que vous êtes bien sur le site de l'éditeur du composant ou du fichier en question et que c'est pas n'importe où. Parce que les fichiers téléchargés peuvent contenir des codes malicieux qui seront ensuite intégrés dans vos programmes, qui seront ensuite propagés par vous. Et donc, vous engagez votre responsabilité vis-à-vis des personnes qui utilisent vos programmes. Le petit avertissement disant que vous vous dégagez de toute responsabilité en début d'application n'a aucune valeur réellement légale. Donc, si quelqu'un a des pertes de données parce qu'un malware a été intégré par vous dans votre programme, même si vous ne le saviez pas, vous pouvez être responsable devant la justice. Donc, soyez attentif à ça. Si vous faites des développements, vous devez vous assurer que vos programmes sont sains avant de les diffuser. Alors, évidemment, les professionnels les passent par un certain nombre d'antivirus avant de faire un programme d'installation, et le programme d'installation lui-même est vérifié par un certain nombre d'antivirus. Il y a des sites internet qui permettent de le faire aussi sans avoir 10 machines avec 10 antivirus différents. N'hésitez pas à les utiliser.
Pour en revenir à la fonte, à tes icônes, tes fontes icônes image list, je vais vous faire un exemple avec l'icône, je vais y arriver, avec la police de caractère qui est disponible sur Material Design Icons, qui contient un certain nombre de visuels dont je vous ai aussi déjà parlé. Alors, Material Design Icons.com désigne. Oui, clairement, ce n'est pas une journée à taper sur le clavier. Alors, DESIGN icons.com. Pareil, je vais vous copier le lien tout de suite. Voilà. Donc, sur ce site-là, vous avez un certain nombre d'icônes, et vous pouvez les récupérer dans vos projets. Donc là, vous pouvez faire une recherche, par exemple, donc recherche en anglais toujours. Je dois avoir un souci de connexion Internet quand même. Pas normal que ce soit si lent. Bon, on va dire que voilà, il était temps. Donc là, il charge toutes les icônes qui sont dans la base. Donc on peut aller directement dessus, comme on peut faire une recherche. Par exemple, si je cherche des voitures, je cherche écart. Il va potentiellement nous afficher des bus, mais en plus des voitures. S'il accepte de faire la recherche, donc car j'ai dit, entrée. Ouais, ça sent la mise à jour de quelque chose là qui me ralentit tout. Bon, bah, j'ai aussi des poussettes quand je cherche car, parce que je suppose que ça a été rajouté dans les commentaires, mais en tout cas, on peut récupérer une image, je clique dessus. Et je peux l'exporter dans un certain nombre de formats, donc en PNG ou dans des formats icônes, SVG, ainsi de suite. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà montré, comme ça. Et du coup, bah, ce truc-là, il édite aussi une fonte de caractère qui peut être téléchargée. Donc vous avez un lien de téléchargement en haut pour la récupérer. Ça va vous donner un point zip. Donc, je l'ai déjà fait, ça, ce qui n'est pas forcément plus mal vu les lenteurs. Ça vous donne un point zip. Donc là, je l'ai mis dans le téléchargement. Que j'ai viré. Donc je vais le retélécharger. Hop. Donc je vais sur la page de téléchargement. Il nous dit Download the web font. On clique dessus. Ok. Et donc là, j'ai bien un point zip qui s'est créé. Je vais l'extraire dans mon dossier. Voilà. Donc il s'ouvre tout seul évidemment. Hop. Et donc il y a un dossier fonte à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse, c'est le fichier .ttf qui est ici. Donc vous allez faire un clic droit dessus et installer pour tous les utilisateurs ou installer tout court si voulez être le seul à pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur. En général, faites installer pour tous les ordinateurs, ça c'est pas hyper grave. Et puis comme ça, si vous avez plusieurs sessions, bah, tout le monde est susceptible d'y accéder. Une fois que c'est installé, Windows a la fonte installée sur son système, donc même dans les traitements de texte, vous pouvez vous en servir. Et ça, comme les exemples qui suivent, enfin comme suffisamment d'icônes derrière, enfin de symboles dedans pour faire un peu tout ce qu'on veut, c'est hyper pratique de passer par celle-ci. Et ce serait pareil avec une autre fonte pour l'utilisation derrière. Donc ça, c'est la première étape. Installation de la fonte. Je suis en train de me perdre, j'espère que de votre côté c'est plus clair. Ensuite, on va aller récupérer icône fonte image list. Donc là, par contre, j'ai juste en copier le lien. Ça va m'éviter de me planter sur la saisie. Donc je vous le colle ici. Voilà. Et j'y vais. Donc c'est un projet open source. Il est géré par la société ETA Dev qui édite un certain nombre de logiciels et des composants gratuits. Vous arrivez sur GitHub, donc comme pour tous les projets, vous avez une description, éventuellement des pages d'aide derrière, et donc pour l'installer, vous allez cliquer sur Clone or Download. Si vous utilisez déjà Git sur votre système, vous pouvez utiliser l'adresse pour vous synchroniser, sinon vous faites tout simplement Download Zip. Alors, Want to be notified of new release, donc là non. Là en l'occurrence, je suis sur une session, je ne suis pas enregistré.
Donc, il nous demande si on veut suivre les mises à jour du composant en question. Si vous avez un compte GitHub, acceptez-le, puisque si vous en servez, c'est plus intéressant d'avoir les mises à jour. Donc là, il me propose l'enregistrement du zip. Je dis oui. Et normalement, ce sera tout pour la connexion Internet. Voilà. Donc, je retourne dans l'explorateur de fichiers, dans mon dossier de téléchargement. Font, c'est celui-ci. Et je dézippe comme pour l'autre avec Extraire tout sur le menu contextuel. Alors, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus de choses dedans. Et comme sur les autres librairies, vous aurez des composants, un paquet d'installation et puis des exemples d'utilisation. Voilà, donc c'est installé. Et dedans, on a un certain nombre de dossiers. Donc celui qui va nous intéresser, c'est le dossier package, qui contient les fichiers Delphi en fonction de la version de Delphi. Alors là, vous avez déjà un dossier pour la 10.4, c'est pour ceux qui ont la bêta. Pour la bêta publique, elle sera disponible sous peu. Normalement, vous devriez recevoir un message si vous avez une version payante avec la souscription. Si vous voulez le tester, ne l'utilisez pas sur sur un Windows où vous avez déjà une version de travail. Normalement, il n'y a pas d'impact par rapport aux 10.3 et précédentes, mais on n'est pas à l'abri de couacs sur les fichiers de dépendance. Donc, ne jamais utiliser une bêta sur un ordinateur sur lequel vous travaillez en prod. Donc, ceci étant dit, alors on va dans Delphi, je vais aller ouvrir le projet pour le 10.3. Si, juste avant, hop. Si vous installez des composants dans votre ordinateur, placez-les dans un dossier qui sera conservé. Là, je laisse le truc dans téléchargement parce que je l'effacerai plus tard. Mais si vous le gardez, mettez plutôt dans une arborescence dans laquelle vous gardez toutes les sources de composants que vous utilisez. Pour éviter de tout perdre, si par inadvertance vous effacez le contenu du dossier téléchargement en disant à Windows de faire du ménage, ça pourrait vous embêter plus tard. Donc mettez bien tout au bon endroit chez vous. Donc là, je suis dans le dossier icône téléchargement que j'avais déjà ouvert. Je vais dans Paquet. Je vais sur ma version Delphi, donc la 10.3. Et j'ai un groupe de projets. Donc c'est le groupe de projets que j'ouvre et pas les différents projets les uns après les autres. C'est plus simple. Alors évidemment, sur la doc du composant, sur le site de GitHub, vous avez les explications pour l'installation. Vous allez le voir, c'est assez facile. Et puis, je l'ai remise aussi ici. Donc, là, j'ai un certain nombre de choses. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux projets du haut, parce que je vais travailler en VCL. Les deux autres, c'est pour la même chose en FireMonkey. Je ne vais pas l'installer pour la démonstration, puisque je ne ferai pas de FireMonkey aujourd'hui. Donc, il y a deux projets. Dans l'ordre, il faut compiler le premier. Ensuite, le DCL quelque chose, et c'est le DCL quelque chose qu'on va installer dans Delphi. Donc là, je fais construire. Voilà, ça tombe bien, ça se passe sans anomalie. Je sélectionne le deuxième en double-cliquant dessus. Je fais construire. OK, et j'ai une option installée sur celui-là. Donc je clique sur installer, ça lance l'installation du paquet auprès de Delphi, enfin, le référencement du paquet sur Delphi, et puis il nous dit qu'il a rajouté un composant, TICON, font, ImageList. Et donc ce paquet, il se retrouve aussi dans outils, pardon, dans composants, installer des paquets. Alors, je ne sais plus quel nom il avait. C'était TH, je crois, et CAETH, voilà. Ici. Donc on l'a bien référencé automatiquement par la compilation et l'installation. Et j'ai bien un composant dessus. Alors je pourrais faire pareil pour FireMonkey. En fait, il faut installer le premier projet des deux et puis ensuite, enfin, compiler le premier projet, compiler le deuxième et installer le deuxième. En général, par convention, on met DCL quelque chose devant les projets qui doivent être installés dans l'environnement et puis les autres n'ont pas le DCL devant. Voilà, donc là c'est bon, je peux refermer ce projet-là, enfin ce groupe de projets qui contenait mes différents fichiers d'installation. Et donc là, pour utiliser le nouveau composant, je crée un nouveau projet VCL pour Delphi.
Alors, si vous n'avez pas eu enfin, le lien de création depuis l'accueil est réapparu en 10.3. Si vous ne l'avez pas, vous faites fichier nouveau, application VCL Windows. C'est vrai que si vous êtes sur une vieille version, vous n'avez pas installé la community ou l'édition trial ou une version récente payante, vous n'aurez pas ce lien-là que j'utilise depuis le début de la semaine, voire 2 semaines. Donc, passer par fichier nouveau, application VCL Windows, ça fait pareil. Ensuite, donc j'ai un projet. Ici, j'ai donc une fiche qui s'est créée. Je retourne dans son écran. Je vais rajouter des boutons. Donc 3 boutons. Je rajoute aussi le icône font ici, le composant qui est dans la liste. Voilà. 2, 3. Alors comme d'hab, hein, mettez-le plutôt sur un data module si vous le gérez sur, enfin si vous l'utilisez sur plusieurs fiches. Parce que pareil, même si il va nous générer des images, récupérer une fonte de caractère, il y a quand même un truc commun, un cache qui est géré dedans. Donc là, sur les boutons, j'attends une liste d'images. Et si je les sélectionne tous les trois, qui va donc me proposer que les propriétés communes, j'ai bien dans la propriété image le icône font image liste. Donc c'est bien un composant image compatible avec les autres composants image Delphi. Par défaut, si je vais sur image index ici, je n'ai pas d'images qui sont associées puisque je n'ai encore rien rajouté dans la fonte. Donc là, je vais enregistrer le projet. Si je vais, voilà, on est toujours sur Bootcamp, on va être sur jour 9. On va continuer sur du FireDeck et VCL juste après. Je crée un nouveau dossier, donc ce sera un font image, image liste. Voilà. Enregistrer. Et enregistrer le projet. Voilà, donc ça c'est bon. Donc j'ai mes 3 boutons, je les ai associés par leur propriété image à la liste et dans la liste. Alors j'ai 2 options pour y accéder. Là c'est l'éditeur, là c'est la page d'information sur la librairie qui nous renvoie aussi sur GitHub directement depuis le composant, depuis Delphi. Donc là je vais fermer les temps de réponse. Ça sert à rien de tenter le diable. Et donc éditeur ici. Vous avez la doc, hein, sur le site, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont mise en lien à partir de là. Je lance l'éditeur, je me trouve avec un truc un peu bien rempli. Donc, j'ai demandé des images en 16 par 16 par défaut. Donc, la taille, elle est bien gérée au niveau des propriétés du composant liste, hein, comme pour les autres composants. Et il nous sort des images carrées, ce qui est le cas pour les boutons et les options d'interface. Donc, par défaut, je reste sur du 16. Et là, je vais lui spécifier la fonte de caractère sur laquelle je vais travailler, donc la police de TrueType. J'ai toutes celles qui sont référencées dans Windows. Normalement, je devrais retrouver ma Material Design quelque chose. Material MA, Material Design Icon et Material Icon. Donc la première ne contient rien, c'est la deuxième qu'il faut utiliser. Voilà, et je sors du composant. Alors apparemment, le show char map ne se renseigne pas tout de suite. On va le faire comme ça. J'ai enregistré, je reviens dessus. Voilà. Donc j'ai bien une fonte par défaut et la possibilité d'afficher le contenu de la fonte avec le bouton show char map, et en fait, qui appelle le programme Windows qui permet de les afficher. Et donc là, on peut regarder pour n'importe quelle fonte de caractère ce qu'il y a dedans. Et vous voyez que sur le design icon, il n'y a rien. Il y avait quoi d'autre comme sans serif, je ne sais plus quelle était celle qui contenait plein d'images aussi historiquement dans Windows, mais on peut y accéder aussi. Après, vous avez des sites pour télécharger des fontes, hein, notamment dafont.com, qui permet d'accéder à des fontes gratuites ou payantes, si vous avez envie de changer un peu les textes. Puisque chaque texte dans Delphi peut avoir une fonte particulière. Donc là, pour revenir à mon Material Design, enfin, ici j'ai les différents logos qui apparaissent. Si je clique dessus, il me l'affiche. Et en bas, il y a un code qui apparaît.
Donc E2BC par exemple, sur le soleil caché en deux là, ce serait E3AB. C'est ce code-là qu'on va saisir au niveau de l'outil de fonte. Donc là, j'ai trois boutons, je vais ajouter trois images. Je laisse ça par défaut en bas. Donc il met trois images en bas. La première image, je vais utiliser la fonte par défaut, donc matériel icône, sinon je pourrais éventuellement utiliser une autre fonte si je veux. Donc je reste sur celle qui est par défaut, qui va me servir pour tous. Je reviens sur ma police de caractère, je vais prendre la souris, qui est E323. Donc là, je tape E323. Alors, par défaut, il n'y a pas de couleur de fonte ni de masque. Donc, je vais mettre une couleur. Par exemple, je vais le faire en rouge sur fond blanc. Voilà. Et j'ai mon icône qui sera générée, que je peux utiliser dans mes boutons. Alors, dans la liste de couleurs, vous avez. Alors, j'ai passé sur la deuxième. Dans la liste de couleurs, vous avez deux parties. Donc, les couleurs primaires, la possibilité de les personnaliser si vous voulez saisir une couleur à vous ou la choisir dans l'assistant de couleurs de Delphi. Ce truc-là correspond à un composant, une boîte de dialogue standard que vous pouvez utiliser dans vos projets. Et donc, il y a les couleurs normales et puis ensuite, il y a les couleurs de l'interface utilisateur qui s'adaptent en fonction du style de Windows. Donc, là, par exemple, celui-ci, je vais choisir autre chose. Je reviens sur mon truc. J'ai récupéré le smiley, donc il est en E24E. Donc j'ai un smiley, vous ne le voyez pas parce qu'il est en noir sur noir. Je vais le mettre en couleur de texte, texte de fenêtre, sur fond, qui sera fond de fenêtre. Et en fait, ces couleurs-là, elles s'adapteront en fonction de la fiche sur laquelle vous mettez l'image. Donc c'est bon pour celui-ci, je vais le mettre sur le troisième. Mettons l'appareil photo. Qui sera un E3AF. Voilà, et donc pareil, des couleurs. Donc là, même chose, en fait, je vais faire texte de fenêtre et couleur de fenêtre. Hop, je fais OK. Mon bouton 1, il va aller piocher la première image. Alors, un image index. Le 2, il pioche la deuxième, et ainsi de suite. Si je la retrouve, l'image ici. J'enregistre et à l'exécution, ça fonctionne évidemment. Par contre, il faut la fonte sur le système sur lequel vous travaillez. Alors normalement, ça fonctionne, sauf que j'ai une erreur de compilation parce que les fichiers du paquet ne sont pas disponibles. Donc il faut que je le rajoute ici. Alors c'est aussi pour ça que je vous ai dit de mettre vos composants au même endroit, c'est que ça vous permettra de les référencer dans l'environnement pour indiquer le chemin de recherche des fichiers annexes directement dans Delphi pour éviter de les rattacher à chaque projet. Donc là, je vais ajouter à mon projet les deux fichiers qui me servent pour le T-icône font image. Donc là, du coup, je les pioche dans mon dossier temporaire. Là, quand vous ouvrirez le projet chez vous, ces chemins-là ne seront plus bons, donc il faudra que vous alliez modifier les chemins au niveau du projet. Donc là, c'est dans les sources, et donc j'ai besoin de ces deux fichiers-là pour l'utiliser dans la VCL, donc j'y rajoute tous les deux au projet. Normalement, ça devrait être bon. Et si je recompile, il doit passer. Donc j'ai bien les logos qui apparaissent sur les images. Vous pouvez utiliser ça pour toutes les icônes qui sont disponibles dans cette police de caractère comme les autres. Et il y a aussi une option qui permet de générer les BNP directement. Donc là, quand on est ici, c'était pas là. Ici, il y avait une option dans le composant lui-même, dans les paramètres, qui était Store Bitmap. Donc là, s'il stocke l'image, ça va éviter d'avoir besoin de la police de caractère sur l'ordinateur sur lequel vous êtes, enfin sur lequel ça s'exécute. Si je ne le coche pas, il faut que le matériel design soit installé, donc il faut que votre programme soit diffusé avec le TTF de la fonte. Alors certaines l'autorisent, la diffusion, certaines payantes n'autorisent pas d'être diffusées. Donc à ce moment-là, gardez les images. Et puis du coup, la fonte est disponible sur votre ordinateur pour la génération des boutons. Et pour les autres ordinateurs, il prendra les images qu'il aura enregistrées dans le DFM.
Voilà pour ce composant. Et en fait, il y en a plein sur GitHub, hein, et sur les autres sites que vous pouvez utiliser ou voir pour tout un tas d'utilisations. Le lien Awesome Pascal que je vous ai mis sur le PDF vous en fournit un certain nombre en fonction de ce que vous voulez faire. On va passer aux questions. Alors, existe-t-il un utilitaire de backup de composants qui éviterait de tout réinstaller lors d'une nouvelle install de Delphi? Alors, ça dépend de la version de Delphi. La configuration de Delphi peut être migrée d'une version à l'autre. Donc, si on est sur. Enfin, actuellement, il y a deux systèmes de mise à jour. On a des versions principales et des updates. Et ensuite, on a les patchs, mais qui sont juste de la copie de fichier pour l'instant, qui vont évoluer sur la 10.4 si tout se passe bien, selon la roadmap. Donc, sur les versions majeures, c'est une nouvelle installation complète d'un environnement de développement avec sa propre version des compilateurs. Et donc, tous les composants existants sont à réutiliser, à réinstaller ou à recompiler pour la nouvelle version. Si vous êtes sur une update, c'est-à-dire le passage à la 10.3.1 depuis la 10.3 par exemple, ou 10.3.2, 10.3.3 en l'occurrence pour la dernière version en date, ça se réinstalle par-dessus la version précédente du même millésime, on va dire. Donc la 10.3.1 remplace la 10.3, la 10.3.2 remplace la 10.3 et la 10.3.1 et ainsi de suite. C'est dans le même dossier. Donc les composants et les paramètres peuvent être conservés. Personnellement, je recommande quand même plutôt de tout réinstaller pour être sûr, parce que ça permet aussi de se poser la question des choses qui sont vraiment nécessaires. Mais c'est ce que je fais parce que forcément, j'installe plein de trucs qui me servent qu'une fois, et ça me force à faire du ménage régulièrement sur le disque dur et dans l'installation de Delphi. Mais techniquement, les updates permettent de garder les composants tels qu'ils ont été installés, et les nouvelles versions majeures permettent de récupérer les paramètres de l'environnement, mais pas les composants, puisqu'il faut les réinstaller en fonction de la bonne version du compilateur et de la bonne arborescence. Apparemment, il y a aussi un icône générateur chez Axialis qui contient plein d'icônes. Donc, bah, je vous mets le nom, allez voir éventuellement. Mais il y en a plein en fait, hein. Les icônes, c'est quand même le truc qui circule bien sur Internet parce que ça permet d'avoir plein de sites qui fournissent des images et d'y foutre plein de publicités pour avoir plein de gens qui vont dessus, qui cliquent sur les publicités. Donc, c'est une belle manne pour les gens qui éditent des sites Internet. Bon, après, il y en a beaucoup, donc ça rapporte beaucoup moins maintenant qu'il y a 10 ans, mais effectivement, ces sites-là fournissent des trucs gratuits en se faisant payer par les pubs qui sont autour. Après, il y a des générateurs et des outils pour en créer. J'en reparlerai d'un que j'utilise, IcoFX, qui est aussi développé sous Delphi. Et oui, j'aime bien les outils développés sous Delphi et en faire la promo et m'en servir régulièrement. Donc IcoFX, il me sert pour faire les points ICO, donc les icônes que je rattache au projet pour éviter d'avoir juste le logo par défaut de Delphi. Comment utiliser le format JPEG 2000 dans Delphi? C'est une bonne question. S'il n'est pas géré, on ne peut pas. Enfin, il faut trouver la librairie qui permettrait d'interpréter le JPEG 2000 dessus, mais de mémoire, ça devait être opérationnel avec les librairies en cours. Là, je n'ai rien vu passer comme anomalie là-dessus. Faut faire un test avec les dernières versions pour voir. Sinon, bah, il faut passer sur l'ancien format du JPEG pour l'utiliser. Après, les librairies JPEG, PNG et autres intégrées dans Delphi évoluent au fur et à mesure. Donc, il est possible que ce soit géré dans cette version et pas dans celle que vous auriez utilisée avant. Ou que ce ne soit pas encore dispo, que ça vienne plus tard. Et si ce n'est pas le cas, bah là encore, allez sur quality.embarcadero.com pour faire une demande ou vérifier qu'elle n'a pas déjà été faite et suivre son évolution. Je n'ai pas vu X5 dans icône font image list. Bah, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, bah, utilisez la version la plus proche, donc le X3, la version antérieure. Mais en pratique, les paquets, là sur cette librairie-là de composants, les paquets sont juste adaptés pour avoir une version et pas se poser de questions. En réalité, ils fonctionnent sur tous. Donc prenez le précédent. Si vous n'avez pas le numéro de version qui correspond, ça devrait passer. Savez-vous si je modifie une image dans Photoshop, est-ce que l'éventuel malware sera supprimé? Alors, les images n'embarquent pas de malware, hein. C'est si vous téléchargez des zips, il peut y avoir des cochonneries dans le format zip sur certaines versions qui seraient interprétées par des versions vérolées de WinZip, WinRAR ou d'autres. Parce qu'en fait, il y a un module auto-installable possible dans le format zip qui peut être interprété de la mauvaise façon par un certain logiciel.
Après, si vous téléchargez des exécutables, bah, il n'y a que les antivirus qui vous diront si c'est viable ou pas, et il faut faire quoi, confiance à l'antivirus. Donc, croisez les doigts. Mais si vous êtes sur des sources, vous pouvez avoir le source d'un. Enfin, si vous téléchargez, par exemple, sur l'icône fonte, quelqu'un peut envoyer un source verrouillé qui permettrait d'effacer un disque dur au bout de 5 ans d'utilisation. Si vous n'allez pas voir le source, vous ne le saurez pas. Alors, dans ce pack d'icônes-là, j'ai entièrement confiance parce que la société qui l'édite, bah, elle est fiable. Enfin, on les connaît, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des partenaires réguliers d'Embarcadéro et puis de bons éditeurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, des trucs open source qui ne sont pas forcément maintenus ou qui ont une mise à jour tous les ans, bah, l'auteur de la mise à jour n'est pas forcément quelqu'un qui a des intentions bienveillantes. Donc, il est susceptible d'avoir ajouté du code malveillant à l'intérieur, c'est-à-dire des trucs qui récupéraient des coordonnées, qui suivraient tout ce qui est tapé au clavier dans Windows, qui transféraient sur des sites internet, enfin, qui peut faire plein de choses. Et comme il y a les sources, si vous n'allez pas voir le source ou que vous ne faites pas, enfin, que vous n'avez pas, enfin, que vous faites confiance aveuglément dans les gens qui éditent les codes sources, bah, vous pouvez intégrer dans vos programmes plein de choses que vous n'auriez pas voulu intégrer, qui ne seront pas forcément repérées par des antivirus parce que, d'une certaine façon, l'antivirus va vous faire confiance. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il va essayer de faire confiance à ce que vous créez comme exécutable dans votre environnement. Et par conséquent, bah, ce que vous diffusez, enfin, il peut intégrer des trucs que vous n'auriez pas voulu et que vous ne maîtriserez pas derrière. Donc, méfiez-vous quand vous récupérez des sources, des fichiers sources et vous les intégrez dans vos applications. Après, c'est votre programme qui diffuse le truc. Les images sont donc embarquées dans mon exé au même titre que n'importe quelle image. Pour l'image liste, si vous cochez le store bitmap, oui. Enfin, pour le icône front image liste, si vous cochez le store bitmap, c'est le cas. Sinon, bah, il génère les images au fur et à mesure de la demande, donc à l'exécution, donc il lui faut la fonte TTF avec. Si le fichier font n'existe pas sous Windows, le bouton affiche quoi? Alors en fait, la fonte n'existant pas, il génère une image vide. Donc vous aurez soit un carré noir, soit rien du tout. Mais le bouton continuera à fonctionner, ça reste une image liste, et du coup, comme le bouton gère le fait que l'image existe ou pas lorsqu'il l'affiche, enfin lorsqu'il s'affiche lui-même, il n'y aura pas de souci particulier avec ça. Pour ce composant, j'ai rajouté le chemin de la bibliothèque dans l'outil chemin de bibliothèque. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire pour être tranquille et donc ne pas le stocker au niveau de vos fichiers téléchargés. Je vais quand même remontrer effectivement où c'est. Donc, outils. Options. Vous avez une sous-rubrique langage. Quand ça apparaîtra. Fermer la fenêtre des polices, elle ne sert à rien. Donc, outils, options, langage, Delphi. Vous avez une rubrique bibliothèque. Et là, dans chemin des bibliothèques, si vous mettez en. Il faut le faire un par un. Ici, vous avez la possibilité de spécifier les différents chemins sur lesquels vous stockez des composants ou dans les sources des librairies. Donc là, cliquez sur le petit logo qui est à droite et allez chercher. Donc, c'est le dossier ici. Allez chercher le dossier dans lequel sont les sources du icône font image list. Ça vous évitera de les rajouter à tous les projets. Et du coup, si vous le déplacez, bah, vous aurez juste ce chemin-là changé dans Delphi. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis dans téléchargement, icône font image list, ici, et source. Voilà. Et donc, si je rajoute ce dossier-là à ma liste, par défaut, bah, s'il ne trouve pas le fichier dans mon projet, il ira le chercher dans tous les dossiers qui sont listés ici. Donc, n'en mettez pas 50 non plus quand vous en servez qu'une fois. Ensuite, bah, vous évitera l'erreur que j'ai eue tout à l'heure qui m'a obligé à rajouter les fichiers dans le projet. Évidemment, faites OK et enregistrez, pas annuler comme je viens de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, les installations de trucs depuis GitHub ou d'autres paquets de composants? Ou c'est bon et on peut reprendre là où j'en étais hier? Oui. Ok, donc on va continuer pour reprendre la programmation elle-même.
Donc, hier, je vous ai montré comment utiliser les composants de base de données associés à des composants visuels de la VCL. Donc, les composants TDB qui passent par un T-Data Source pour ensuite accéder aux T-Datasets, enfin, aux ensembles de données qui sont des FD tables, des TFD queries ou des TFD memtables. On peut aussi, évidemment, y accéder par code dans le Pascal. Donc, en Pascal, on va faire un peu de codage aujourd'hui. Je reviens dessus ici. Hop. Donc le langage Pascal lui-même ne permet pas de manipuler des bases de données. Les instructions du langage ne le font pas. Donc c'est l'environnement de travail et les librairies qu'il fournit qui permettent d'y accéder. Dans Delphi, on a un certain nombre d'ensembles de composants, dont FireDAC, que je vous recommande donc d'utiliser. Je pense que je n'aurais pas encore dit assez. Et qui permettent d'accéder à un certain nombre de bases de données et d'outils externes. Là, en l'occurrence, les mises à jour de données se font directement sur les ensembles, donc le TFD table, TFD query ou TFD memtable, et puis le reste nous permet des affichages. Pour se travailler dessus, on va manipuler les TFD table, query et memtable depuis le code source. Et quand je parle de manipulation, on a donc la possibilité de modifier leurs propriétés, comme pour n'importe quel composant, comme on l'a vu sur les jours précédents. On peut avoir des événements, on va en revoir deux, trois. Et on peut aussi modifier les éléments sur lesquels on travaille, donc l'enregistrement sur lequel on est positionné, depuis le code source. Donc pour ça, on a des méthodes qui permettent de se déplacer. Donc ça, elles sont valides dans tous les composants qui sont de type dataset. Donc là, en l'occurrence, c'est trois sur lesquels on travaille, comme tous ceux qui sont historiquement sur les anciens frameworks de composants de base livrés avec Delphi ou d'autres sources comme UNIDAC, par exemple. Pour se positionner, on a first, next, prior et last. Ce sont des commandes en anglais, comme d'hab. First pour se positionner sur le premier enregistrement, next pour passer à l'enregistrement de celui sur lequel on est, prior pour aller sur le précédent et last pour aller sur le dernier. Donc avec ça, on peut se déplacer comme on le faisait sur la grille avec la petite flèche qui était à gauche hier, qui nous permettait de savoir sur quelle ligne on était. Ensuite, on a deux choses qui permettent de savoir si on dépasse l'ensemble de données. Donc BOF pour savoir si on est sur le premier et savoir surtout s'il y a quelque chose avant, donc attester avant de faire prior. EOF pour savoir si on a encore quelque chose après. Donc, en gros, à utiliser pour savoir si on a fini de travailler sur l'ensemble de données ou si on peut faire un next dessus. En général, quand on fait une boucle de traitement sur un ensemble, on a un first, on fait un while end of file, donc EOF, et enfin while not EOF, et on fait un next à l'intérieur de la boucle. Pour les mises à jour, on va utiliser insert et post, append et post, edit et post ou delete. Et quand on est en cours de mise à jour, on peut utiliser la méthode cancel au lieu de post pour annuler l'insertion ou l'ajout d'enregistrement. Par contre, un delete n'est pas annulable. Une fois qu'il est fait, il est fait. Sauf si vous avez ouvert une transaction avant et que vous l'annulez avec un rollback. J'en parlerai pas en détail dans les semaines qui viennent. Par contre, vous avez la doc sur ce genre de choses dans les bases de données relationnelles et tout ce qui va avec. On a aussi une propriété sur les ensembles de données qui s'appelle state et qui nous permet de savoir dans quel état il est, donc savoir s'il est en consultation, en ajout, enfin en insertion, mise à jour ou d'autres états possibles. Les différentes informations de l'enregistrement en cours s'obtiennent entre autres par la méthode fillByName. Je vous ai mis un exemple en dessous, donc si on voulait le titre. Enfin, si on est sur la table livre sur laquelle on a travaillé ces derniers jours, qu'on veut le champ titre de l'enregistrement en cours, ben on peut l'utiliser avec table livre.fillByName de titre en apostrophe, toujours. Alors là, sur le PDF, comme je l'ai saisi sur le Mac, les apostrophes sont les apostrophes d'imprimerie. Donc elles s'ouvrent, elles se ferment comme pour les guillemets, mais en pratique, dans le Delphi, c'est la même, hein, il n'y en a qu'une. Point a string pour l'avoir en chaîne de caractères, et il y a as integer pour avoir des entiers, as boolean pour avoir des booléens, et ainsi de suite, en fonction du type d'information qu'on traite. Et donc ça, bah, j'en fais ce que je veux. Là, en l'occurrence, je récupère une chaîne, donc je l'affecte à une variable du titre, qui serait un string dans mon programme. Alors, je vais passer à la pratique. Donc ici, je vais faire une nouvelle appli.
Et comme on m'a posé la question tout à l'heure de savoir ce que c'était l'explorateur de données, on va y aller tout de suite. Donc l'explorateur de données, en fait, nous permet d'accéder à un certain nombre de bases de données préconfigurées et on peut en configurer aussi nous-mêmes. Par contre, les programmes qui utilisent ça en dur ne fonctionneront que si les alias sont créés aussi sur le système, donc en gros que s'il y a Delphi installé ou si on a fait jour avec la base de registre. Donc ne l'utilisez que pour le développement ou faire des tests. Ne l'utilisez pas en production, enfin, modifiez tous les paramètres en release que vous auriez utilisé depuis Delphi en debug. Je reviendrai là-dessus plus tard. Là, en l'occurrence, je vais travailler avec des bases SQLite. Donc, il y en a quelques-unes qui sont fournies sur Delphi. J'ai juste à double-cliquer dessus. Donc, là, les alias, hop, ils ont un nom et puis des informations sur la base elle-même. Donc, là, on retrouve le TFD connexion, en fait, hein, et ses paramètres. Et bah dedans, on a un certain nombre de tables. Alors les vues en dessous, ce sont les index. Donc là, sachant que dans SQLite, on a des tables qui sont rajoutées par le moteur de base de données lui-même. Donc on peut y accéder aussi si on veut, mais il faut surtout pas y modifier quoi que ce soit. Donc on a des vues qui sont en fait les index, les tri des différentes tables, et puis une sélection de champs, et puis les procédures, s'il y a des procédures stockées dessus. Les informations apparaissant ici dépendent de la base de données, du moteur de base. Donc là, j'ai ma base, je vais la rattacher à mon projet, enfin, je vais l'utiliser dans mon projet, donc je glisse mon alias, il va créer un TFD connexion avec les bons paramètres. Ça, dans Delphi 1 et les suivantes, on pouvait aller jusqu'au niveau des champs et puis s'en servir comme dictionnaire de données, donc saisir directement les paramètres de chaque champ dans l'explorateur de données. Ce n'est plus le cas. Là, je vais l'enlever, je vais l'utiliser directement. Je vais l'enlever donc par là. Hop, je vais utiliser directement une table, donc par exemple la table Customers, donc la table client. Pareil, en fait, si je glisse la table dans ma fiche, ou alors plutôt dans un module de données, hein, mais là j'aurai qu'une seule fiche, j'ai donc ma table qui est copiée et la connexion qui permet d'y accéder. La connexion, je vais l'activer, la table aussi. Voilà. Et donc, je rajoute un data source. Et je rajoute une grille, CDB grid. Ma grille, je la rattache au data source. Le data source, je le rattache à ma table. Tout est activé, j'ai bien mon truc. La grille, je la mets en plein écran. Voilà. Donc là, si j'exécute mon programme, j'ai bien tout qui est fait sans avoir fait quoi que ce soit en code. Donc on est là-dessus. On est sur le 8. Ici. Je vais appeler ça comment en bas? FD codage. J'enregistre. Hop, j'avais fait F9, donc il s'est enregistré et il s'exécute. Là, j'ai donc un certain nombre d'éléments hein, qui étaient dans les tables de démo. Alors, elles sont disponibles que si vous avez installé les exemples de Delphi. Donc, on les retrouve ici, dans page d'accueil, pardon. On les retrouve ici dans Démarrer, Embarcadero, donc la bonne version et le dossier exemple. Donc les choses qui sont référencées à droite dépendent de ce qu'il y a dans le dossier data, du dossier exemple qui est installé lors de l'installation de Delphi ou lors de l'installation des exemples à part. Donc là, j'ai mon appli, elle était ici, donc elle fonctionne correctement. J'ai bien mon curseur qui se déplace. Donc le curseur, l'enregistrement sur lequel on est. Enfin, pointe sur l'enregistrement sur lequel on est. Dans les grilles, il est manifesté par une coche ou une étoile, ça dépend des composants. En tout cas, c'est la ligne sélectionnée sur laquelle on travaille. Donc ça se débrouille tout seul, de base. On a aussi un composant qui s'appelle le TDB Navigator, qui permet de se déplacer et de faire un certain nombre d'actions. Donc là, je vais le positionner en bas de l'écran. Hop, je le rattache à mon data source, comme d'hab.
Ici, j'exécute, il va me l'enregistrer entre-temps puisque j'ai coché ce qu'il faut. Et donc là, j'ai les opérations left, enfin first, prior, next et last, qui sont dans un composant qui a déjà les boutons. Évidemment, on peut en faire à nous qui les ferons. Et là, je passe en insertion, je supprime, je valide. Alors, c'était quoi celui-là? Je ne sais plus. Ça va être modification, pardon. Oui, c'est ça. Ajout, suppression, modification. Je valide la modification, je l'annule et je peux faire un refresh. Donc, ça, ces boutons-là, ils sont pré-gérés par le composant TDB Navigator. Et si je vais dessus, je peux choisir les composants, enfin les boutons que je veux voir afficher, puisqu'il y a une propriété option. Qui était où? Je suis sur le bon composant, on est bon là-dessus. Voilà, visible le bouton, ici, qui va nous cocher les boutons sur lesquels on veut, enfin, qu'on veut voir apparaître à l'écran. Évidemment, il faut que l'ensemble de données soit autorisé en mise à jour si vous voulez pouvoir faire des mises à jour dessus. Et vice-versa, si vous n'affichez pas les boutons de mise à jour et que l'ensemble ne refuse pas les mises à jour, un double clic sur la grille permet de faire les mises à jour quand vous êtes en exécution. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que vous supprimez les boutons de mise à jour que vous n'aurez pas la possibilité de faire des mises à jour dans les écrans. Vérifiez bien que tous les composants qui utilisent un dataset sont en read-only et que votre ensemble de données, si les composants le permettent, l'est aussi. Hein. En l'occurrence, normalement, on a un read-only, non, il n'y est plus. Ah ben non, je suis sur un query, donc là, la question ne se pose pas. Sur une table, il y a l'option normalement. La question ne se pose pas, mais on devait la voir dans les ressources quelque part. Ou alors c'est sur FireMonkey. En tout cas, d'une manière générale, si vous mettez des composants qui gèrent la mise à jour, assurez-vous qu'ils ne refusent de passer en mise à jour si vous voulez les utiliser que pour de l'affichage. Voilà pour ça. Et donc, ce composant navigateur, on peut le refaire par code. Donc, je vais le rajouter. Donc, je vais rajouter un panel. Donc, le panel standard. Je n'ai pas utilisé les composants Konopka. Je le positionne mon panel en bas. Bottom. Je vais rajouter des boutons, donc gauche-droite. Donc bouton ici. Donc un gauche-droite validé début-fin, par exemple, ça sert à rien de faire les autres. Ici, je vais les repositionner en left, donc il va changer sa taille et leur ordre. Ici, l'alignement à gauche. Arrivé. Voilà. Et je vais mettre une petite marge entre eux. Donc, il faut cocher la propriété Align with Margin. Et j'ai une propriété marge, normalement, ici, qui va me permettre de mettre du 10, 10, 10, 10. Alors, plutôt 5, d'ailleurs. 5, 5, 5, 5, ça devrait suffire. Voilà. Hop. Ils restent visibles, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Donc, je me désélectionne tous les boutons, je reviens sur le premier. Le premier, ce sera précédent. Donc, c'était prior. Voilà, je clique dessus. Et dans mon code source, donc sur le clic du bouton, je vais faire un prior sur le dataset. Alors, le dataset, il s'appelle quoi? Customer Table. Voilà. Donc là, je me positionne sur l'élément précédent de mon environnement, enfin de ma table. Si je le fais sur le dataset, tous les data sources qui pointent sur le même ensemble de données, donc sur la même table, en l'occurrence sous forme de query, vont être déplacés de la même façon. Si je le fais sur un data source, il n'y a que le data source qui se déplace. Et normalement, il entraîne aussi le dataset derrière. Bouton 1, ici, donc caption, il est là. Le name est ici. Donc c'est next.
Là, je redouble-clique ici pour faire le onclick. Et je vais simplement copier ça. Next, hop, F12. Premier, début, fin. Tiens, il n'a pas pris le prix. Ah, pardon, il n'a pas pris le caption. Donc c'est normal. Hop. Parce que je ne l'ai pas modifié. Par défaut, quand on change le name, il change aussi le caption ou le texte. Si c'est la même chose. Là, en l'occurrence, ce n'est plus la même chose, qui s'appelle tous bouton 1. Donc il n'a pas modifié tout seul sur le premier. Donc là, on va dire début et fin. BTN first. Je sélectionne ça, je me déplace, positionnement sur le caption en le tapant, tabulation, hop, c'est bon pour celui-là, et donc double-clic, justement, contrôle espace, point first, et F12, bouton 1, donc ce sera le next, last. Pourquoi je tape à l'extérieur? Voilà, et donc la même chose. On clique, customer, last. Contrôle D pour reformater tout ça. Je fais F9 pour exécuter. Donc, je vais sur le premier, je vais sur le dernier, ça passe, pas de souci. Je vais sur le premier, je vais sur le suivant, ça passe. Je vais sur le précédent, ça passe, jusqu'à ce que ça explose ici. Alors, il se trouve qu'il y a un test qui vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie. Si je fais prior sur un ensemble où il n'y a pas rien avant, il fait le test. Ça tombe bien. Si je vais sur le dernier, que je fais prior, ça monte. Si je fais next, pareil, il évite de se déplacer sur un ensemble, enfin, sur un élément qui n'a plus rien. Ce qui tombe bien. Sauf que je veux faire le même comportement que pour les boutons du bas, donc je vais tester où j'en suis dans mon truc à chaque clic. Donc ici, je ferme sur le on show. Ça va être l'occasion de voir un petit coup de procédure. Donc là, lors de l'affichage, le premier affichage de la fiche, ma fiche est là-haut. Ici, j'ai un événement on show et donc sur le on show, je vais pré-renseigner l'affichage des boutons. Donc on va dire btn prior.enable. Alors, bon, on peut aller sur le précédent si on n'est pas au début du fichier. Donc c'est note, customer, before of table. Before of ici, alors c'est pas enable, c'est enabled. Voilà. Donc le précédent, il ne peut être activé que si on n'est pas en début de table. Je fais un copier-coller. Next, pardon. Allons-y un par un. Pareil, bah, si on n'est pas à la fin du fichier, on a le droit d'appuyer sur le bouton next. Le début et fin de table, ils vont rester tels quels. On les a systématiquement, ça sera très bien. On pourrait aussi tester sur le début. Alors, first, btn, first, enable. On pourrait aussi dire que le bouton début et fin ne s'affiche que s'il y a des éléments dans la table. Donc, si customer point, enfin, customer table point record count, le nombre d'enregistrements de la table est supérieur à 0. Voire supérieur à 1, parce que s'il n'y en a qu'un seul, aller au début, enfin sur le premier ou sur le dernier, ce sera toujours le même, donc ça ne sert à rien d'afficher les boutons, il n'y en a toujours qu'un seul. Et même chose pour la fin, on ne peut aller sur la fin que s'il y a au moins deux enregistrements, donc si le record count est supérieur à 1. Alors évidemment, là dans l'exemple avec la table que j'ai, il y a des enregistrements, donc ils seront forcément actifs et les deux autres ne seront pas forcément. Donc je refais F9.
Alors, tout ce que je vous dis par rapport à FireDAC là fonctionne en code et par rapport aux événements propriétés, ces composants-là, enfin, les composants non visuels liés à FireDAC fonctionnent de la même façon en VCL, en FireMonkey et dans tous les frameworks qui sont disponibles dans Delphi. La seule différence, c'est pour la partie data source et composants d'affichage qui eux-mêmes ne sont utilisés que dans la VCL. Donc là, j'ai bien mon bouton prior qui est désactivé, sauf qu'il n'est pas désactivé, enfin, il n'est pas réactivé quand je me déplace. Si je vais sur le premier, il ne revient pas, sur le dernier non plus. Donc il faut refaire le même test que ce que j'ai fait dans le show, à plusieurs endroits. Donc en général, quand on clique dessus. Donc la méthode pourrie, je copie ça. Et je vais le copier dans chaque. Donc là, hop, j'ai bien dit la méthode pourrie. Hein, chaque fois que je me déplace, je reteste la qualité des boutons, l'état des boutons pour les repositionner correctement. Un coup de F9. Alors par contre, si je rajoute un autre bouton, bah, il faut le recopier 5 fois. Comme je vous l'ai dit précédemment, le copier-coller, c'est un peu un truc d'informaticien, mais il y a aussi des façons intelligentes de le faire. Là, ce n'en est pas une. Si je fais next, eh bien, j'ai bien mon élément prior qui sera actif jusqu'à ce que je sois sur le premier. Ah, sauf qu'il n'est pas. Alors, il n'est pas correct. Sur le premier, il ne se désactive pas. Connerie qui doit venir du. Le before of table ne doit pas fonctionner correctement. Mais peu importe, en tout cas, si je me déplace en premier, j'ai bien ça. Si je me déplace sur le dernier, j'ai bien le dernier qui se désactive. Oui, next et prior sont gérés de telle sorte qu'on puisse aller sur le précédent et c'est l'ordre du précédent qu'on sait si on est sur la fin ou pas. Donc c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Hop, et là pareil avec les composants standards de Delphi, il fait exactement le même test que moi. Importe. En tout cas, vous avez vu comment on peut les conditionner. Par contre, ce n'est pas la méthode à utiliser pour le conditionnement, on va utiliser plutôt une procédure dans laquelle qu'on va appeler à chaque fois. Les procédures, on en a utilisé pour les événements, sauf qu'on appelle ça des méthodes dans les classes. J'y reviendrai hein, sur ces notions-là. Et on peut rajouter des procédures à nous. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'accéder aux éléments de l'interface, donc je vais les rajouter dans ma fenêtre, dans le type de la fenêtre au niveau public ou privé, au choix. Là, pareil, j'en réaborderai la question. Donc, j'en ai pas besoin à l'extérieur, je le mets dans privé, procédure, init, bouton, point virgule, shift, contrôle C, il va générer le truc en bas tout seul. Et ce que j'ai ici, au lieu de le copier à 5 endroits, je mets que dans le init bouton. Et je remplace mes 4 lignes par un appel du init bouton à chaque fois que je modifie le déplacement du curseur dans ma table. Du coup, si je rajoute un bouton, j'ai juste à le modifier au niveau du init bouton. Pareil, si je change les tests. J'ai un seul endroit où le faire. C'est à ça que servent les procédures et les fonctions. On reverra en détail comment ça fonctionne, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à éviter les duplications de code et les regrouper à un seul endroit pour l'appeler à plusieurs. Donc là, si j'exécute mon code, ce sera pareil que tout à l'heure, hein, ça fonctionnera de la même façon. Voilà. Donc là, vous avez vu comment on pouvait manipuler les déplacements. Pour les ajouts, on va en faire un deuxième exemple. Donc, nouvelle appli. Je vais le faire sur un TFDM table. Ça évitera de modifier des structures de table existantes dans l'environnement. Et puis, comme ça, vous l'aurez aussi. Donc là, je ferme le projet. J'en crée un nouveau. Donc, je suis sur la VCL. Donc là, ça va être classique, un bouton, une grille, un data source, un TFDM table.
Donc, mon bouton, je vais le mettre en haut. Et depuis le bouton, bah, je vais faire un ajout d'un certain nombre d'enregistrements dans ma table. La grille, elle sera rattachée à mon data source. Elle prendra tout l'écran, enfin, en tout cas, la zone cliente de l'écran, donc la zone où il n'y a pas de haut, bas, gauche et droite installé. Le data source qui s'était rattaché, non, il est bon. Ouais. Donc, mon data source, je rattache à mon FDM table. Il est passé où? Il est là. Donc je le remets sur la fiche directement. Tiens, pourquoi il veut pas? Ok, donc il l'affiche comme ça dans la structure. Pourquoi pas? Et donc ma table en mémoire, je vais la modifier directement dans Delphi. Donc ma table en mémoire, je vais faire un clic droit dessus. Éditeur de champ, je vais ajouter un nouveau champ qui sera un ID et qui sera un numéro entier. Ok. Je mets qu'un seul champ, c'est juste pour faire une démo. Et quand je clique sur le bouton, je vais créer des éléments dans cette liste. D'ailleurs, je devrais faire deux choses, un champ alpha et un champ numérique. Donc là, je vais rajouter un deuxième champ, ID as string, qui sera un string. Voilà. Là, on est bon. Donc, dans le bouton, bah, je vais faire une boucle qui va rajouter des enregistrements dans la table. Donc là, dans la FDM table, on n'a pas de notion de clé primaire et ainsi de suite. Donc, on pourra ajouter plusieurs fois la même chose. Hein. I2.integer. Donc, for i prend 0 to 100, do begin, end. Alors, 0 to 10, ce sera plus mettons 1 à 10. Begin-end, point virgule, CTRL-D. Ensuite, je reviens entre mon begin et end. Habituez-vous à mettre le end systématiquement tout de suite. Ça vous évitera d'avoir des oublis et des problèmes d'indentation et surtout des plantages derrière sans y passer des heures pour les retrouver. Donc, j'ai un truc comme ça. J'ai mon FDMemTable, donc il est accessible par FDMemTable 1, parce que je ne l'ai pas rebaptisé dans le programme. Je veux ajouter un enregistrement, donc je fais un insert dessus. Donc il passe en insertion et pour valider la mise à jour, je fais un post. Donc là, revoyez ce que j'ai mis sur le slide. Hein. C'est ici. Tout bête. Donc insert est suivi par un post si tout se passe bien. Append est suivi par un post, edit par un post et delete tout seul. Et à la place du post, on peut mettre cancel si pour une raison ou pour une autre, on veut annuler l'opération en cours. Le insert pour ajouter à la fin. Enfin, ça ajoute l'enregistrement où est placé le curseur. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. La seule distinction, c'est par rapport aux affichages dans la FDMemTable. Ils vont se remettre au-dessus de l'enregistrement en cours et se positionner dessus. Sur la append, ça ajoutera à la fin. Sur les tables avec des tris, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, on l'affiche en fonction du tri. Donc, ça ne pose pas de souci particulier. Donc, FDMemTable, j'ai l'habitude d'utiliser insert, donc excusez-moi de l'utiliser plutôt que l'append. Field by name, donc il y a d'autres fonctions hein, pour récupérer les champs. Field by address, enfin field address, field by name. On a aussi la possibilité de récupérer tous les champs, enfin la description de la table, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit l'ensemble de données. Donc, on a field def list et field def. On a aussi la liste des champs avec leur description. Et on peut récupérer les champs depuis la propriété fields ou fields value directement. Donc moi je me suis habitué au field by name depuis 25 ans. Donc je continue comme ça. J'avais un champ ID, je l'appelle ID dedans. Je pointe as integer parce que c'est un entier. Et pareil, dans les as quelque chose, vous avez un certain nombre de possibilités qui sont là. Avec le contrôle espace, vous les avez. Et vous pouvez, grâce à ça, convertir une valeur dans un autre type. Si c'est un booléen, vous pouvez la récupérer en tant que booléen pour récupérer un true ou false, mais vous pouvez aussi récupérer tout sous forme de string et donc l'afficher true ou false dans votre interface. Donc là, c'est l'entier. Je vais récupérer la valeur de i dedans, donc en integer et comme ça. Et ensuite, ben, en dessous, je vais récupérer le id as string tel que je l'ai appelé. Alors par contre là il n'y a pas d'assistant pour récupérer les noms des champs, hein. C'est à vous de savoir ce que vous avez dans la table. Donc c'est un string. Je vais y mettre i.toString. Ou alors
ou alors int to string de i. Ça dépend de la version Delphi. En tout cas, sur les dernières, vous avez le i.toString qui est disponible. Je refais un contrôle D. Je recopie la ligne complète. Ce sera plus clair. Voilà, pour archivage au cas où. J'enregistre le projet. Donc, même endroit. Nous sommes dans Firedac VCL ici, le 3. Firedac Pascal. Mise à jour. Voilà, j'enregistre. J'ai juste fait CTRL-S, donc il m'a enregistré juste l'unité. Il faut que je clique sur tout enregistrer pour avoir aussi le projet. Voilà, donc ça c'est bon. Je lance le programme. Et donc si je clique sur le bouton, il va me rajouter 10 lignes dans la table. Un détail près, c'est que je n'ai pas ouvert la table en mémoire. Donc plantage. Donc, il faut que je commence par ouvrir la table en mémoire pour savoir si elle est déjà ouverte. Alors, je pourrais le faire dans le code, enfin dans le concepteur de fiches si je veux, mais autant s'habituer à faire des trucs en code Pascal quand on les a. Donc, sur le onShow, par exemple, de la fiche, ou le onCreate, hop, ici, je vais vérifier si ma table est activée ou pas. Parce que je pourrais l'avoir ouverte dans le concepteur de fiches. L'ouvrir deux fois, ça ne pose pas de problème. C'est sur la fermeture qui nous embête de temps en temps. FDMemTable, donc if FDMemTable1.active, then, et de préférence, not active pour savoir qu'elle n'est pas activée. Alors, normalement, on a une méthode open, on peut aussi mettre true dans active. Pour qu'il le fasse. Donc ça va l'ouvrir si elle n'est pas active, lorsqu'on affiche l'écran. Je refais F9. Et donc j'ai bien mes deux colonnes qui apparaissent parce que l'ensemble de données est actif. Et je clique sur mon bouton, ça me rajoute les trucs. Alors là, j'ai utilisé Insert. Par défaut, je suis positionné sur le premier élément dans mon ensemble. Donc il les rajoute avant. D'où les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, partant du bas jusqu'en haut. Si je me positionne sur le 8, par exemple, j'ai bien mes trucs qui sont rajoutés avant le 8. Et comme il positionne les uns au-dessus des autres, bah, il les met dans l'ordre jusqu'en haut. Si je fais un append à la place, il les rajoutera en dessous. Hop. CTRL-C, V. Append. Évidemment, il ne faut pas le insert et le append, sinon il va nous générer une erreur nous disant qu'il est déjà en insertion. Je me positionne sur le 3, il se met derrière le 3. Enfin non, il se met à la fin de la liste puisqu'il ne se positionne pas par rapport au truc. Le insert par rapport à l'élément en cours et le append par rapport au fichier complet. Et il se positionne sur le dernier enregistrement qu'on a créé de toute façon. Voilà pour les insertions et les ajouts. Donc globalement, on se sert de ça pour remplir les informations de l'enregistrement en cours. On s'en sert aussi pour récupérer les informations de l'enregistrement en cours. Donc si je rajoute un deuxième bouton. Ici, donc là, je vais remplacer mon bouton par un panel que je mets en top aussi. Propriété, alignement. Top. Voilà, mon bouton, je vais le déplacer dans mon panel par la structure et je vais changer ses propriétés pour qu'il soit en left. Voilà. Et donc, dans mon panel, je rajoute un deuxième bouton. Qui fera une modification de l'enregistrement et un troisième qui fera une suppression de l'enregistrement. Comme ça, vous aurez les trois opérations standards dessus.
Les trois boutons, je les sélectionne. Alors, je les ai ici directement dans la structure. Je peux les sélectionner tous les trois avec Shift, enfin, la touche majuscule et clic de souris. Enfin, premier clic sur le premier, majuscule, clic sur le troisième. Pareil, en bas, dans l'inspecteur d'objets, ça ne me propose que les propriétés communes. Je vais donc modifier leur taille. Alors, les mettre tous les trois en left. Hop, voilà. Et modifier leur taille à tous les trois, histoire de remettre le premier dans le bon format et remettre aussi des marges comme tout à l'heure. Donc, cliquer la case, modifier les marges ici. Donc, on était en 5, 5, 5, 5. Et en width, je vais mettre pas 25, mais 70 par exemple. Ça a l'air suffisant, c'est bon. Je désélectionne en cliquant ailleurs. Sur le premier, donc mon bouton 1, en fait, ce ne sera pas bouton 1 ici. Hop, name. Donc je me déplace d'une colonne à gauche avec la tabulation. Je tape les premières lettres du nom de la propriété, donc NA pour name. Et ici, je fais BTN ajout. Il me change le caption parce que c'était bouton 1 dans les deux cas, et c'est bon. Sur le deuxième, ce sera modif. Donc pareil, je me déplace sur le name ici, BTN change. Pardon, modif. Voilà, et le troisième, delete. Donc supprime avec deux P en français. Hop, éviter de saisir des coquilles. Donc le ajout, il est géré. Donc là, j'ai changé le nom sur le concepteur de fiches. Il m'a bien remplacé le nom dans les événements hein, correspondants parce qu'il était généré par lui. Sur la modif, donc je vais faire une modification de l'enregistrement sur lequel je suis, pas une boucle. Donc je passe en mise à jour de l'enregistrement en cours. Point edit. Je vais faire un post du truc de ma mise à jour et je vais modifier le texte qui est dedans. Donc on va dire fdmmtable table 1 point field by name field by name ici de mon champ qui s'appelle id as string. Point asString, donc c'est toujours une chaîne de caractères, hein, ici. Et je vais dire qu'il prend pour valeur la valeur de l'ID fois 5. Donc c'est ID tout court, point asInteger, multiplié par 5. Le tout, ça me donne un numéro que je transforme en chaîne de caractères. Je ne garantis pas que le toString à cet endroit-là fonctionne, mais normalement ça devrait passer. Sinon, je suis obligé d'utiliser le lint toString dessus. Là, c'est le compilateur qui fait un peu de magie et qui nous permet d'éviter de ressaisir plein de choses. Mais je suis plus sûr que ça passe en Pascal, enfin dans Delphi, oui, c'est bon. En parlant de magie, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder la série qui s'appelle Magic for Humans. C'est assez amusant. Intéressant aussi pour les enfants. Donc, bouton ajouter, ça fonctionne toujours pareil. Modif, si je me mets sur le 2, bah, il va mettre 10 à droite. Et là, 50. Et si je supprime un enregistrement, bah, pour l'instant, je ne l'ai pas géré, donc il ne fait rien. Et donc, dans mon supprime, j'ai double-cliqué dessus, je fais un delete sur mon enregistrement en cours. Donc j'ajoute des trucs, je vais modifier l'un d'entre eux, voilà, hop, et si je supprime le 4, par exemple, je supprime le 4 de la liste. Et alors j'ai supprimé des enregistrements qui n'existaient plus. Donc ça génère une erreur. Ok, et si je modifie un enregistrement qui n'existe pas, ben il passe parce qu'on a de la chance, mais normalement il pourrait renvoyer une erreur. Donc là l'ID est à 0 parce qu'il est sur un enregistrement qui n'existe pas. Il passe en édition et ça renvoie à zéro aussi.
Donc, méfiez-vous. Vérifiez quand vous faites quelque chose que vous êtes toujours sur un enregistrement. Donc, en général, ce qu'on fait ici, hop, avant un delete, if fd, alors pareil, if not, fd même table, 1.endofile. Ça nous permet de savoir si on a un enregistrement en cours, parce que par défaut, s'il n'y en a plus, il se positionne en fin de fichier. Et sur la mise à jour, évidemment, vérifiez que l'enregistrement sur lequel vous êtes existe, pareil, pour faire, ne faire de la mise à jour que sur des données qui existent. Ça évitera des anomalies plus tard sur vos programmes. Donc là, si je fais delete, je ne dois plus avoir l'erreur. La modification continue, là je joue aussi. En fait, le edit passe en insertion s'il n'y a rien. Et là, si je mets 15, par exemple, la grille gérant les mises à jour. Je peux cliquer sur la modif ici et j'ai bien 75 qui est 5 fois 15. Voilà, donc là on a vu comment se déplacer dans la table. Alors ça, c'est nécessaire que si vous avez envie de faire vos propres boutons qui permettent de bouger sur une liste ou de passer d'un onglet à l'autre en fonction de ce que vous avez dans un élément. Et vous avez aussi les options pour faire des mises à jour à la main. Donc ça, on s'en servira demain. On reprendra l'exemple que j'avais commencé hier avec la librairie. Donc les livres, les éditeurs et les auteurs. On finira le programme, parce que en fait, pour le finir, il faut du code. Et on verra comment on gère des notions de mettre détail sur les juste avec les composants VCL, Delphi et FireDAC. Et aussi comment on gère les mises à jour pour notamment le rattachement de plusieurs auteurs à un livre. Parce que là, ça nécessitera du codage, puisqu'on n'a pas dans Delphi de composants de base qui nous permettent de sélectionner plusieurs lignes par rapport à une seule ligne et les ajouter en standard sans faire de code. Voilà pour ces exemples. Est-ce que vous avez des questions? Alors apparemment, oui, un bon paquet. Il serait bon pour vos éditeurs d'expliquer le référencement, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, option langage Delphi Bibliothèque pour ajouter les liens vers vos différents composants si vous en avez besoin. Pour les champs, alors pour les datasets, on a effectivement, enfin, dataset ou data source hein, d'ailleurs. Donc, quand je dis dataset, vous comprenez table, query et table en mémoire. Data source, c'est le T data source. Donc, on a bien une propriété field by name sur tous qui permet de récupérer les infos sur l'enregistrement en cours. Et on a d'autres façons d'y accéder, y compris par index si on a envie d'y accéder par index. Mais en fait, c'est pas field by index, c'est fields avec l'index dedans et ensuite as string et ainsi de suite. ShowInt peut être pratique pour aider l'utilisateur. Effectivement, on peut en parler là. Alors, F12 sur le bon écran, ce sera mieux ici. Donc là, par défaut, en fait, quand vous déplacez la souris sur quelque chose dans Delphi, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, qui vous dit à quoi ça correspond et qui vous donne certaines infos. Vous pouvez gérer pareil dans vos programmes. Si vous êtes sur un bouton, il y a une propriété int, un bouton tout un élément d'interface en fait. Il y a une propriété int dans laquelle vous pouvez mettre du texte. Donc ceci est un bouton d'ajout. Et quand vous exécutez le programme, cet assistant-là s'affiche quand on a la souris qui passe dessus un certain temps, enfin qui reste dessus sans bouger un certain temps. Enfin, qui devrait. Il faut juste activer la propriété showInt, d'ailleurs, c'est sur la fiche normalement. ShowInt, elle est désactivée par défaut maintenant. Ce n'était pas le cas dans les premières versions, donc je me fais avoir. Donc sur la fiche elle-même, il faut activer le fait d'afficher les assistants. Je réexécute. Hop. J'ai bien l'assistant sous forme d'infobulle qui apparaît dessus. Alors l'infobulle qui est appelée comme ça depuis les premières versions de Windows, qui n'était pas forcément un rectangle dans certains logiciels. Donc n'hésitez pas à en mettre sur vos interfaces aussi, ça peut aider vos utilisateurs vous-même vous rappeler ce que fait un bouton si votre truc n'est pas clair. Mais d'une manière générale, si votre truc n'est pas clair, c'est que clairement vous avez un souci d'interface utilisateur et donc il vaut mieux commencer par corriger ce truc-là. Et par contre, oui, alors juste encore autre chose, ça peut être utilisé notamment pour les outils d'assistants visuels. Alors, ils n'y ont pas accès en direct, hein, il faut faire certaines modifications, mais normalement, ce truc-là est utilisé pour l'accessibilité des applications et sur les différents environnements sur lesquels on travaille. Donc,
Ça vous prend pas beaucoup de temps de les mettre en place. Si vous diffusez vraiment largement vos programmes, n'hésitez pas à en mettre. Ça peut aider aussi des utilisateurs qui n'auraient pas besoin ou envie de regarder toute la doc, selon ce que c'est. DBGrid, option DGEdit true pour modifier. Oui, effectivement, sur les grilles, on a un certain nombre de paramètres aussi. Donc, on peut la passer en read-only directement, comme on a des options qui permettent d'activer ou pas certaines fonctionnalités de la grille, dont les mises à jour. On peut aussi sélectionner la ligne complète si on veut. Voilà, jusque-là, quand je cliquais, j'avais une petite flèche à gauche et puis juste la case dans laquelle j'ai cliqué. Là, j'ai activé option DG Row Select dans la grille et donc j'ai toute la ligne qui va passer en bleu, enfin qui va se sélectionner quand je cliquerai dessus, plus seulement la case dans laquelle j'étais, contrairement à avant. Donc, regardez ces propriétés, n'hésitez pas à... Alors, hop, j'ajoute, donc je suis bien sur toute la ligne et pas juste une case. Et là, comme j'ai mis Grid Only, je ne peux pas double-cliquer dessus pour faire une modification. Donc, je vais le désactiver pour que vous puissiez en faire si vous voulez jouer. Grid Only, il est là. Hop. Voilà. Donc, pardon, il est désactivé ici. Normalement, ça devrait être bon. Ou alors la sélection de la ligne empêche la sélection d'une case. Après, ça dépend un peu des. Ouais, c'est possible. Donc, la sélection de la ligne empêche l'édition. Editing à trous. Ouais, c'est ça. Donc, elle désactive la possibilité d'éditer. Si je désactive la ligne, je vais pouvoir réactiver l'édition. Donc, certains composants de grille qui. Enfin, après, il y a le composant de grille classique et lié aux bases de données fournies par Delphi, enfin, par Embarcadero dans Delphi. Vous en avez d'autres sur le marché, pareil. Hein. Chez différents éditeurs ou en open source, qui ont leurs spécificités, qui font des affichages différents suivant les cas. Donc là, normalement, si je l'exécute, je peux à nouveau travailler dedans. Et pareil, utilisez abondamment la touche F1 si vous voyez des propriétés qui vous disent un truc, mais que vous voulez voir plus en détail. L'assistance en ligne est quand même, enfin en ligne, l'assistance dans Delphi et sur le site internet avec le doc wiki sont quand même très utiles. Alors, dans cet exemple, pourquoi utiliser un TFD query au lieu d'un TFD table? Alors, c'est parce que, alors ça c'était sur le premier exemple, en fait, quand j'ai glissé les composants depuis l'explorateur de données. Par défaut, il est configuré pour nous envoyer un TFD query au lieu d'un TFD table, tout simplement. Donc là, j'ai pas choisi. Si j'avais fait moi-même, j'aurais plutôt utilisé le TFD table, puisque je mettais pas de requête à la main. Mais là, après, c'est l'explorateur et le concepteur de fiches qui s'interfacent de cette façon-là, donc pas le choix. Sachant que l'explorateur de données n'est à utiliser que dans vos projets à vous. Sur votre poste de développement, puisque ce sont les bases que vous saisissez dans Delphi, que vous configurez, et qui ne sont pas accessibles à l'extérieur, sauf à faire des modifications sur le poste sur lequel vous en servez. Faut-il placer le code de la procédure init avant de décrire les procédures qui les appellent? Là, non, on s'en fiche. En fait, il n'y a pas de. Tant que c'est déclaré dans l'interface, c'est accessible partout dans l'implémentation, d'une manière générale. Donc, le fait que ce soit déclaré dans la classe de la fiche, donc dans le type qui contient les informations de la fiche, les composants et les méthodes, permet que le init bouton soit accessible partout. Sylvain qui va un peu plus dans le détail, effectivement, le init bouton devrait avoir lieu lors de l'événement onDataChange du data source, oui. Ce serait plus pratique, mais là en l'occurrence, c'était juste pour montrer le principe. Normalement, tous les déplacements dans un ensemble de données déclenche un événement qui dit qu'il a changé les données. Donc sur le data source ou sur la table, on a un événement onChange qui était. Before non, change, 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 il est où? Ah, alors il est passé où sur le. Il doit pas être sur le même table. Sur l'état, normalement, il y en avait un. Et sur le data source, de toute façon, on a un data change qui change le positionnement, en fait, qui change le curseur de l'enregistrement sur lequel il est. Donc, il déclenche cet événement-là. Donc, l'initialisation des boutons, j'aurais pu la faire ici. Là, pareil, regardez la doc un petit peu pour les différents composants et voyez quoi faire. Là, j'ai fait simple. On peut aller encore plus simple si on connaît tous les événements, tous les composants au fur et à mesure. Alors,
Alors, Jean-Marie qui demande pourquoi il a ajouté les éléments dans un sens 10 par 1 ou 1 par 10, comme l'indique la boucle for. Donc là, je vais revenir sur mon insert. Donc le happen, il les ajoute dans l'ordre à la fin. Le insert, en revanche, je réexécute. Il les ajoute du bas vers le haut par rapport à l'enregistrement sur lequel je suis. Si je me mets sur le 10, il va me les ajouter par rapport au 8. Sauf que chaque élément rajouté repositionne le curseur. Donc j'arrive sur le. Enfin, je suis sur le 8. Il rajoute le 1, il se positionne sur le 1. Et donc, l'insert suivant se fait par rapport au 1. Donc, il rajoute le 2 à cet endroit-là. Puis ensuite, il rajoute le 3 au-dessus. Et ensuite, il se positionne, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les a qui remontent. Là, si je me remets sur le 8, pareil, hop, j'ai bien mon curseur sur le 10 qui vient de rajouter. C'est pour ça qu'on les a dans les ordres ou dans l'ordre quand on fait un append, parce que le append, il les met à la fin du fichier, quoi qu'il arrive. Hop, si deux applications du même programme, projet 1, sont lancées en même temps et qu'on appuie sur le bouton insert des deux applis, bah là, c'est une table en mémoire, donc elle dépend de l'exécutable qui s'exécute. Donc, elle n'est pas commune aux deux programmes qui seraient lancés en même temps. Là, je peux lancer deux fois le même programme, il n'y aura aucun problème, ils auront chacun leur base. Elle n'est pas commune, contrairement à une base SQL, enfin, à une vraie base de données qui serait sur le disque dur et qui serait gérée en fonction des fonctions de partage utilisateur de la base en question sur la connexion. Trop tard. peut-on supprimer les enregistrements d'une table sans le faire un par un? Oui. Alors, hop, vide. Je vais rajouter un bouton. Bon, d'ailleurs, non, on ne va pas rajouter le bouton, je vais vous le montrer dans l'aide. Ici, je fais F1. Donc, je vais sur l'aide du delete du tfdlmtable ou d'un dataset, puisqu'il propose l'un ou l'autre suivant ce qu'il a dans la doc. Alors, c'est la première fois que je le fais depuis que j'ai réinstallé, du coup, il prend un petit peu de temps pour parcourir toute l'aide et nous afficher la bonne. Une fois que je suis sur l'aide, donc du fichier, j'ai des informations complémentaires ici, et puis je peux remonter sur l'ensemble de données. Donc là, je suis sur une table en mémoire, c'est un descendant du T-dataset, je reparlerai d'héritage plus tard. Je peux aller sur le T-dataset et voir ses méthodes. Si je désactive les hérités, je n'ai que les méthodes de l'ensemble de données. Oui, donc il en a viré un certain nombre, et dans la liste, je retrouve mon delete, et puis je retrouve pas celle à laquelle je pensais, qui s'appelait empty table. alors, empty, clear, close, clear fields. Pas de bol, il n'est pas sur celui-là. Il était au niveau supérieur. Donc je vais aller sur Je vais aller sur une table, donc j'ai rajouté une table à l'écran. Non, je vais aller sur le concepteur ici. Après, on peut faire une boucle qui fait des lettres, hein, mais c'est pas propre. Je fais F1 depuis la palette sur le TFD table. Donc il doit m'afficher la doc du TFD table lui-même. Et dans le TFD table, je dois retrouver une méthode qui s'appelle empty table, empty dataset. Donc supprime tous les enregistrements du stockage de données internes. Et donc il suffit de l'appeler comme j'ai appelé le delete, et il vide complètement l'ensemble de données. Et sur l'emptable, il doit y être aussi, hein, ce jeu. Ah. Il doit y être aussi, mais comme j'étais trop descendu sur l'aide parce que j'étais depuis le code. On va vérifier le F1 sur le FDMTable. Alors, normalement, il m'affiche la fenêtre d'assistant qui s'est passée en background. Hop, voilà. Donc, je suis bien sur le TFDMTable et donc dans les méthodes, je dois aussi retrouver le empty. Ici. Voilà. Donc à partir de l'aide ou le contrôle espace, vous allez retrouver des choses. Vous pouvez aussi faire des recherches, même si ce n'est pas hyper pratique. Et si vous ne retrouvez pas quelque chose, ben en fait, vous passez sur le doc wiki,
Donc là, vous êtes sur un composant, vous allez sur son doc wiki, donc page wiki en cours en bas à droite de chaque page de LED. On espère que ma connexion Internet sera un peu plus rapide là pour l'affichage de la page. Donc je vais sur l'aide du FDMM Table par rapport à la version Delphi que j'utilise. Ici, il se positionne sur la bonne doc. Et normalement, bah, là, vous pouvez faire une recherche sur toute l'aide ou avoir toutes les infos et dans la page, faire une recherche depuis la page du navigateur. Donc faire un CTRL-F dans votre navigateur et faire une recherche sur la page elle-même. Ça vous évite de vous palucher toute la liste des propriétés ou des méthodes d'un type. Voilà, j'ai mon truc. Je vais sur les méthodes. Habituez-vous à manipuler l'aide en ligne sur le site et puis un petit peu dans l'aide, les fichiers d'aide. Parce que c'est quand même assez intéressant de s'y retrouver. Enfin, c'est un support très important de documentation. Donc là, je fais un CTRL F. Je suis dans ma page, hein, je fais supprime et je trouve un certain nombre de choses qui parlent de suppression. Donc, après, c'est recherche classique dans une page web ou du texte. Hein. On fait ce qu'on veut. Donc à partir de là, on doit pouvoir tout trouver si ça existe. Et puis si ça n'existe pas, on peut toujours bidouiller un truc et puis vous demander à quelqu'un ou regarder sur des forums si ça existe. Voilà pour ça. Alors, hop, question suivante. Donc qui serait a priori la dernière si vous n'avez pas d'autres. Alors, Apply UDEP, c'est par rapport à des groupes de mise à jour. Donc là, j'en parlerai pas dans le bootcamp. Regardez la doc. Les propriétés apply update et cancel update, c'est quand vous avez plusieurs mises à jour à la fois ou par les passer en SQL si je me souviens bien, plutôt que par les insert, update et ainsi de suite. Puisqu'on peut faire des lots de mises à jour avec les composants FireDAG, ce qui n'était pas le cas sur les précédents. Donc plutôt que de faire des mises à jour enregistrement par enregistrement, on peut le faire par groupe, selon la configuration de la connexion dans FireDAG. Voilà pour ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on arrête pour aujourd'hui? Apparemment pas. Donc demain au programme. Alors au programme de demain. Donc normalement je vais tenter de. Je devais vous parler de ça, mais je pense que ça attendra lundi. Donc demain en fait on va refaire. Enfin, on va finir le programme d'hier. Donc avec les livres auteurs, éditeurs et puis faire une appli complète avec ça en mélangeant du code source et les liens automatiques que peut faire Delphi à partir des datasets et des tables qui permettent de se greffer les uns par rapport aux autres et gérer des notions de maître et détail. Donc on verra ça par codage. Et puis je ferai aussi avec vous les deux exemples, enfin la correction des deux exemples que je traîne depuis vendredi dernier pour faire donc la gestion de liste de tâches et la gestion de contacts. Donc les contacts avec trois écrans et pour les ajouts, modifications, suppressions, et la liste de courses avec un seul écran qui contenait normalement les trois étapes sous forme d'onglet, sachant que le contenu sera le même. Voilà pour ça. Donc comme d'hab, vous aurez enfin, comme d'habitude, vous aurez les rediffusions sur le site donc vassure.fr-slash Delphi Bootcamp dans la journée ou d'ici demain en tout cas. Les PDF sur Apprendre Delphi ou directement depuis la chaîne YouTube de Bernstein. Et on se retrouve demain pour la suite. Donc si vous voulez discuter de tout ça sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Delphi Bootcamp qu'on regarde de temps en temps, moi et quelques camarades chez Bernstein, au cas où il y aurait des questions concernant les licences. Et voilà. Donc si vous n'avez pas fait, finissez les exemples qu'on corrigera demain. Et puis on verra pour le reste. Ah, alors juste un truc, je vais vérifier ça. Il y a un GitHub incorrect. Ah, ça c'est possible. Je vérifie juste un truc ici. Alors, hop. Navigateur. Enfin, si le lien sur Apprendre Delphi n'est pas bon, regardez sur la partie vidéo, hein, puisqu'ils ont été rajoutés ce matin par Swan sur Bernstein, enfin sur la chaîne YouTube. J'ai fait quoi? J'ai ouvert le navigateur qui ne veut pas s'ouvrir. Cet ordinateur est une calamité. Donc, tu m'ouvres ça, toi? Tu t'arrêtes de boucler.
Bon, il est parti en vrai, on va le faire avec Safari. Je vais juste vérifier le lien ici. Bon, apparemment, c'était bon, donc ça devait être une erreur de clic, je pense, dessus. Ok, donc puisque c'est bon pour tout le monde, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous revois demain si tout se passe bien.